Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, les dessineux et les dessineuses? Aujourd'hui, vendredi 18h, moins 4 minutes, moins 3 minutes. Salut Catherine. Salut Sonia. Salut Morgane. Isabelle, toujours au rendez-vous. Luciola. Claude, Jess, Cyril, P. Cyril Buff. Carole Luciole. Ah, hey, dans le chat, il y a Luciola et Carole Luciole. C'est pour ça que des fois, j'accroche un petit peu. Vous le faites exprès, hein, vous me tendez des pièges. Salut Béatrice, comment vas-tu? Claudie. Salut Corinne. Salut Anne. Comment vas-tu? Bonjour Fabienne. Bonjour Sylvie. Salut Jordan. Salut à tous. Prenez place, prenez place. J'ai mon voisin qui fait du bruit là-haut. Donc si vous entendez toc toc toc, je pense qu'il est en train de monter des meubles IKEA. Ou autre chose. En général, les meubles IKEA, on les pose par terre, on les pose sur un tapis, puis on tape. Et là, je sens que c'est des coups qui viennent du sol. Donc, excusez-moi pour le bruit, mais on va lui casser la gueule. Salut Flore, pour ceux qui nous rejoignent depuis Twitch, depuis Facebook, vous avez donc un lien qui me bug, que je vais afficher à l'écran. Pour rejoindre le vrai live, le live où on va po pouvoir poser donc nos dessins, vous pourrez les poster tout à l'heure. Et donc ça doit être celui-là normalement. Je voulais l'afficher à l'écran. Pouf, ça c'est le lien du live d'aujourd'hui. Spartan, bah c'est Cyril Buff. Il est là. Il est présent, il est là. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Viendez, viendez. Pour une séance incroyable. Truffée de rebondissements. Donc ça, c'était... Donc j'ai fini, c'était le live d'avant-hier, je vais pas dire de bêtises, oui c'est ça. Avant-hier, j'ai fait un live improvisé et donc on avait fini ce dessin quasiment ensemble. J'avais quasiment fini et je l'ai trouvé. Voilà, c'était celui-là. Donc on avait fait le crayonné ensemble vendredi dernier. Ensuite j'ai continué donc mercredi soir pour ceux qui me rejoignaient. Et voilà, on a papoté, hein, ça a traîné en longueur. Donc j'ai cru que j'allais pouvoir finir, mais en fait, il restait la partie inférieure juste à remplir. Et en fait, la partie plus importante était finie. Et donc, si vous n'avez pas vu ce live, je vous conseille d'aller le voir. Je pense qu'il est un peu long. Vous pouvez le mettre en accéléré. Parce qu'on chatte beaucoup. Oui. On a bien tchatché ici. Donc prenez place, on va commencer la séance, on va attendre que ça se remplisse un petit peu. Il y en a qui arrivent du travail. En a qui arrivent tard des fois. Et on va commencer dans, allez, 4 minutes. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui nous rejoignent, qui nous trouvent pour la première fois, vous pouvez vous inscrire à la liste, comme ça vous aurez en avant-première tous les... Et tous les rendez-vous. En général, j'avertis 2 jours à l'avance. Et comme ça, vous savez à l'avance. La thématique d'aujourd'hui, Max, c'est plus dans la thématique, on va dire,
n'y a pas vraiment de thématique. Donc, j'ai pioché 6 mots. Et on va dire que la thématique d'aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que ça se rapproche de la mort. Ça se rapproche de l'espace. Ça se rapproche de la magie. Ça se rapproche. Voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment. Voilà. Il n'y a pas vraiment de thématique. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit, je ferais peut-être une thématique. Et là, ce n'est pas le cas. J'ai pris vraiment des mots un peu au hasard. Il y a deux mots qui se rejoignent dans la thématique, je pense. Il y a deux autres mots qui pourraient éventuellement se rejoindre dans la thématique. Mais voilà, vous allez voir. Je viens juste de les piocher. Salut tout le monde. Prenez place. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous êtes en forme, que vous avez pu dessiner un petit peu. Important de dessiner régulièrement. C'est Nathalie. Est-ce que vous voulez des petits exercices d'échauffement avant? On peut, hein? On peut, c'est une bonne idée, Isabelle. J'avais déjà suggéré ça la dernière fois. Et on peut tout à fait, hein. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite pour ceux qui nous rejoignent. On va s'exercer et après on passera à la séance. Allez, on va faire ça pendant 3-4 minutes, 5 minutes. Et on peut faire ça. Let's go. Alors moi, j'ai dessiné avec un critérium, avec une mine 2B. Voilà, c'est j'aime bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer déjà à faire des lignes droites. Donc, si vous êtes gaucher, faites ça de droite à gauche. Si vous êtes droitier, faites ça de gauche à droite. Vous pouvez donc faire ça à partir du même point. Donc, vous pouvez lâcher votre bras, hein. Lâcher tout. Vous pouvez même lâcher l'épaule. Voilà. Et si ce n'est pas droit, ce n'est pas grave. Et vous pouvez faire pareil avec des lignes un peu plus courbes. Cyril, il va aimer ça parce que ça fait des espèces de petits patterns là. On dirait un porc-épic. Salut Dominique, salut Carole, salut Jean-Pierre, salut Pauline, salut Manu. Voilà, c'est le petit porc-épic du jour. Ah, ça, c'est censé être la peau du porc-épic d'ailleurs. Quelle tête ça a, un porc-épic, hein? Ça ressemble un peu à ça, non? Là, je lui ai fait des petites jambes de. Je crois qu'ils ont aussi des pics qui viennent de la queue, hein, derrière, il me semble. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça fait quelque chose comme ça. Et des fois, ils ont même un peu la coupe d'Iroquois devant. Voilà, je vais appeler ça l'exercice du porc-épic. Non, 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 Béatrice, c'est pas le premier mot, on s'échauffe juste pour ceux qui arrivent. Et Isabelle qui a suggéré qu'on puisse s'échauffer un petit peu. Et c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit peut-être qu'on allait s'échauffer. On peut essayer de faire aussi des cercles. Donc, trait fantôme d'abord, au-dessus de la feuille. On apprend donc. Avec c'est de la mémoire musculaire. Et on lâche le trait. On apprend. On peut faire ça plus grand. On laisse bien partir le mouvement. On le fait plusieurs fois de suite au-dessus de la feuille. Voilà. Et on cherche le contact ensuite avec un tout petit mouvement de doigt comme ça. Donc lâchez-vous, c'est vraiment à ce moment-là que le corps il comprend que en fait il est libre. On est vraiment libre de nos mouvements si on a envie de dessiner des formes plus nettes, c'est quand même plus sympa. Et ça, c'est pour éviter le syndrome de toujours faire des petits trucs comme ça. Ah oui, je vais faire
Ah oui, attends, je vais faire un petit trait. Ah non, mais ça, c'est... Ah, ok, alors oui. Et ça veut dire qu'on est en train de réfléchir en faisant un trait. Tandis que quand on a une intention, en général, on le fait en une fois. Et ça, c'est vraiment la base de mon enseignement au niveau, on va dire, apprentissage, quoi, neurosciences. C'est que moi, je préfère aller d'un point A à un point B et être sûr, sur le chemin, d'avoir déjà une idée de ce qu'on va faire. Donc après, on peut se lâcher un peu sur les formes, on peut essayer de combiner un peu tout. Vous pouvez faire un mouvement fantôme avec un trait particulier si vous voulez, par exemple un S. Vous pouvez faire exactement pareil. Vous pouvez essayer de le répéter. Ça fait vraiment du bien. Hein. C'est apaisant et ça nous fait rentrer en mode méditatif un peu. C'est la répétition en fait. Tout ce qui est rythmique, tout ce qui est répétitif. Nous permet de nous mettre un peu, c'est pas vraiment une transe, mais c'est plus un état méditatif. Donc ce genre de petit exercice, plutôt que de partir d'une feuille blanche et des fois on ne sait pas trop comment commencer, ça peut vraiment aider à démarrer quoi. Et voilà, vous barbouillez une feuille, ça ressemble à rien. Bon, j'ai fait mon porc-épic, mais voilà, grosso modo. Salut Mayou. Salut Nadège. Ok. Donc, le premier mot d'aujourd'hui. Donc là, on va essayer de remplir la feuille, hein, comme d'habitude. Je vais vous dire 6 mots. On passera à peu près 10 minutes par mot. Et il n'y a pas de thématique aujourd'hui. Il y a une moitié de thématique, on va dire, mais c'est un peu le hasard. On part 10 minutes sur le premier mot, et en général, le premier mot, c'est un personnage. Ce ne sera pas toujours le cas, mais là, ce sera un personnage. Et vous avez le droit de vous donc aider de photos, évidemment. Hein. Donc, vous pouvez faire votre recherche de votre côté. Moi, je vais faire ma recherche de mon côté, et je vais l'afficher à l'écran. Voilà. Et la première recherche de mots, ce sera le mot héros. Donc, je vais le noter à l'écran. Tac. Donc, héros. C'est où? C'est là. Héros. Ça, ce sera le premier mot. Et je vais partager mon écran. Paf. Donc, quand je tape héros, je tombe sur des Superman, je tombe sur des Batman, etc. Donc, ce n'est pas très représentatif du mot héros en général, parce que ça, c'est un super-héros, c'est un personnage de comics. On va tomber sur quelques héros d'histoire qu'on connaît. Et donc, si vous avez un héros en tête, n'hésitez pas à le chercher. Par exemple, je sais pas, Sangoku ou Iron Man ou j'en sais rien. Ça peut être aussi un héros de ce que, peu importe. Vraiment. Vu que c'est un atelier libre, vous faites ce que bon vous semble. Donc moi, je vais faire ma petite recherche de mon côté. Ah, j'aime bien ce petit bonhomme pixel là, le petit bonhomme Superman. Ah, ça peut être sympa à faire ça. Et bon, ça va prendre un peu de temps à remplir, mais. Mon père. Bah, tu peux dessiner ton père, hein, si tu veux. Ah oui, le mec de 300. C'est cool. J'aime bien un petit raccourci et tout. Allez, moi je vais dessiner ça, je pense. On est parti, 10 minutes. Let's go. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire partir de. Je vais le faire partir de là. Léonidas, ouais, de 300. C'est Spartan qui va être content. Je vais le faire partir d'ici jusqu'à l'épée, jusque-là. Tiens. Donc on va faire ça. Pouf.
une petite segmentation rapidement pour les proportions. La petite main. Voilà, je fais vraiment des trucs rapides. Les gros pecs. Le grand dorsal ici. Là, il y a le dentelé antérieur juste là. Il y a l'avancée de la cage thoracique. Les premiers faisceaux de la tablette de chocolat. Le six-pack. Ah, je peux lui faire un six-pack de Cronenbourg ici. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Donc, l'essentiel est de se lâcher et de rigoler hein, aussi. Hein. Donc, on est là aussi pour... on n'est pas là pour faire un dessin forcément sérieux. Hein. Et moi, j'aime bien les touches humoristiques. Hein, vous me connaissez. Donc... Le nez va être là. Voilà. Et donc, laissez ouvert, à chaque fois que vous faites une recherche, laissez ouvert votre image. Comme ça, vous pourrez revenir à n'importe quel moment. Donc, ne copiez pas la photo, c'est pas très intéressant. Vous pouvez vous lâcher un petit peu. Vous pouvez faire une petite caricature, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout est permis, vraiment. Il n'y a pas de règles. Il faut essayer quand même de se rapprocher du mot héros, quoi. Mais s'il n'y a pas de héros dans votre scène, c'est vraiment, vraiment pas grave. Je vous en tiendrai absolument pas rigueur, vu que moi, je fais un peu ce que je veux. Donc là, ce que j'aime bien pour les épées, d'ailleurs, elle est pas assez inclinée, je pense. Pour les épées, en fait, en général, je fais le manche dans une perspective assez correcte, on va dire. Et une fois que le manche est fait, en général, je dessine la main. Mais là, il y a un gros raccourci, donc il faut que je fasse attention. Mais grosso modo, je vais partir du centre ici et je viens tirer un trait. Alors là, ça va donner quelque chose comme légèrement incliné vers le bas. Donc ça va donner quelque chose comme ça. J'essaie de visualiser en fait le milieu de l'épée et le bout. Comme ça, je suis sûr que le bout, il arrive, il ne fait pas un truc bizarre. Et là, ce que je fais, c'est que je repère en deux dimensions. Donc la lame, comme on l'a fait. Je crois qu'elle remonte un petit peu plus comme ça d'ailleurs. Donc ça donne quelque chose comme ça. Hop. Ici, voilà. Comme ça et comme ça. Et donc pour l'incurvation de la lame, ça donnera quelque chose comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, grosso modo. Hein. Donc comme on est bien sûr pris par le temps, il faut aller vite. Donc moi sur le personnage, vu qu'il est grand, vu qu'il tient de la place, je reviendrai tout à l'heure si j'ai pas le temps de tout faire, évidemment. Et après, si j'ai vraiment rien le temps de faire, c'est sûr qu'il faudra prendre le temps de revenir plus tard. Voilà, le petit col. On va dessiner les yeux rapidement. Pour les yeux, souvent j'ai tendance à faire d'abord la limite de la paupière supérieure. Il a des gros sourcils, on va lui faire des énormes sourcils. Et ensuite, après, je fais le haut de la paupière inférieure. Et en fait, ça rend bien parce qu'on voit tout de suite l'iris. L'iris est bien placé à ce moment-là. C'est un petit truc et astuce. Donc, vous commencez par la limite de la paupière supérieure. D'abord, après l'iris par rapport à la paupière supérieure. Et après, vous faites la paupière inférieure. Vous avez vu, vous avez un œil. Très, très bien. Et ça permet en fait de tout de suite agir sur l'expression directement de l'œil. Et donc, c'est plus facile. Donc là, il y a un léger, léger trois quarts. Il faut que je fasse partir le nez un peu plus comme ça. Et, mais les cheveux, on voit quand même un petit bout de l'oreille et des cheveux, là. Voilà. Mais grosso modo, voilà ma construction. Combien de temps ça a pris? Ça a pris 5 minutes 30, quoi, à peu près.
Et une fois que vous avez les proportions, etc., vous pouvez revenir maintenant sur votre personnage et détailler. Donc, donc là, je n'ai pas trop appuyé, mais ça me permet de revenir. Attention, le manche est dans la même, le même alignement que la lame. Donc là, il faut avoir quelques petites connaissances de perspective. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore découvert le nouveau guide en perspective gratuit, et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pouvez. Je vous donne le lien d'ailleurs. Qui est où d'ailleurs ? Tac, c'est celui-là. Inscription. Ici. Ça, je vais l'ajouter sur mon... Tac. Voilà, donc c'est ce lien-là pour ceux qui veulent télécharger le guide. Vous allez voir que c'est, ça va vous avancer un petit peu. Ceux qui n'ont pas vraiment de notion de perspective, ça va aider. Une petite gorgée de café et on est reparti. Donc là, je lui ai fait vraiment un grand nez. Et comme j'aimerais bien me mettre l'emphase un peu plus sur la mâchoire, je vais faire le nez un peu plus court. Et avec les mêmes proportions, je vais juste monter la barbe ici. Et on ne voit pas sa lèvre supérieure, en fait, quasiment pas. Donc ça, c'est le cas souvent quand la moustache est longue. Salut Karine. Salut Corinne, comment tu ? Voilà, mais grosso modo, voilà, on a notre construction et je pourrais passer un peu plus de temps tout à l'heure. Donc, la stratégie ici, ça va être de prendre un peu moins de temps pour un des mots et un peu plus de temps pour un autre mot. Donc là, vu que c'est la construction que je fais, je n'appuie pas trop. Je sais que de toute façon, je vais revenir dessus. Ouais, il y en a même un deuxième hein, qui était sorti de 300, Cyril. Il y en avait un deuxième qui était sorti. Un peu moins bien, bien sûr. Le 300 original est vraiment bien. Un petit bout de l'avant-bras, et là il y a un raccourci donc entre donc là ce que vous voyez ici, je vais vous faire un petit zoom là pour ceux qui dessinent la même chose que moi, mais je sais pas si vous voyez ici, ça c'est le brachioradial qui est juste là, brachioradial, ça c'est les extenseurs du poignet juste là. Là vous avez un bout du radius, donc ça c'est la tête du radius, et là c'est aussi un bout du radius ici. Et là, vous avez devant la tête des métacarpes, donc premier, enfin, du deuxième métacarpien. Et là, vous avez comme un espèce de triangle qui se forme entre les deux premiers métacarpes et l'index. Voilà. Donc, vous pouvez vous aider de ça de façon géométrique. C'est comme ça que j'ai fait ici. Voilà, si vous voulez vous aider. D'ailleurs, ma main est peut-être un petit peu trop petite. Oh non, ça va encore. C'est pas violent. C'est le thorax qui a l'air un peu gros par rapport au reste, mais c'est vraiment pas trop grave. Ici, je vais de toute façon assombrir cette partie-là, à mon avis. Voilà. Grosso modo, j'ai ma construction. Il reste 7 secondes. Pour ceux qui veulent finir rapidement. Voilà, donc, encore une fois, je reviendrai tout à l'heure dessus. Je vais juste finir cet œil-là. Voilà. OK. Salut Maria, salut Jasmine. Moria,
Bonsoir, bonsoir. Oh, ça va, j'ai fait un trait. J'ai fait un trait. Droit quand même. C'est qui le patron? Donc, le deuxième mot. Deuxième mot d'aujourd'hui sera le mot potion. Potion. Ça tombe bien, Laetitia en a fait une sur le compte Instagram. apprendre.a.dessiner, si vous voulez voir. Un petit tutoriel. Donc ça, c'est plus pour le digital painting. Vous pouvez le faire aussi en dessin traditionnel ou en peinture. Le premier mot était héros. Il est noté à l'écran. On se fait ça ? Allez. Tac. Potion. Potion. Alors, potion. Est-ce qu'on va se faire plusieurs potions ou une potion ou... Ah, on peut faire un chaudron aussi. Un chaudron. Une potion. Ah, le premier résultat a été bien. J'aime bien celui-là. Il est simple. Il est simple, net et précis. Allez, on fait ça. 10 minutes, c'est parti. On va lui mettre ça dans la poche. Enfin, je vais lui mettre ça dans la poche. Je vais faire une potion ici. Ça, ça va cacher un peu. Hein. N'hésitez pas à sacrifier votre dessin. Je vous le dis à chaque fois, mais des fois, en sacrifiant son dessin, ça marche mieux. On va lui mettre ça sur la ceinture. Le placement de l'ellipse qu'on va faire au centre, comme ceci. Placement de l'ellipse, comme ceci. Une double ellipse, parce qu'on va faire la petite embouchure. Et on va lui faire un petit bouchon. Donc cet axe-là va vous servir pour placer vos ellipses. Car vu de dessus, c'est un cercle, mais en perspective, c'est une ellipse. Pour avoir une ellipse, c'est comme les roues de voiture, c'est comme... peu importe. C'est comme si c'était un axe de rotation. On se sert de cet axe-là pour bien placer donc l'embouchure, le goulot, par rapport au corps de la potion. Petit truc et astuce. Voilà. À l'intérieur, il y a de la réfraction. On a l'impression que le liquide va directement contre la vitre, alors qu'il existe une épaisseur. Et c'est pour ça que le liquide va avoir tendance à venir toucher visuellement les bords. Donc ça, c'est l'effet de la réfraction qui fait ça. Donc on va tout simplement... Là, j'ai fait une tangente visuelle, hein, mais ce n'est pas fait exprès. On va faire ça. C'est pas très stylé ça, je vais le faire plus en ligne droite, plus stylé, voilà. Donc comme ça, ça c'est la partie non visible, hein. Il y aura probablement la cape qui passe par-dessus. Donc tout ça c'est pas visible. Et la partie du liquide, donc on peut la faire en train d'être secouée. Et pour une fiole normale, en fait, pour une fiole normale, je vous la dessine ici, mais pour une fiole normale, on va dire, qui n'est pas secouée, en fait, c'est comme une ellipse ici. Donc ça va dépendre de la perspective, évidemment, hein, ça va dépendre du niveau de l'œil par rapport à la potion. Mais le liquide va former une ellipse
ou s'il est exactement au niveau de l'œil, ça va former bah, une ligne droite. Voilà, un segment. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc encore une fois, préférez, si vous voyez que c'est trop difficile, que c'est trop avancé, ou si vous n'avez pas le temps de tout dessiner, c'est pas très grave. Dessinez juste la construction. Le plus important, c'est la construction, parce qu'après, vous aurez tout le temps de finir votre dessin tranquillement. Donc, préférez bien construire. Et une belle illustration, un beau dessin, c'est surtout lié à une belle construction. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues à essayer de tout faire, à essayer d'ancrer ou de mettre des ondes de partout. C'est mieux de faire une belle construction et de finir plus tard. Comme ça, après, vous pourrez le poster sur la communauté Facebook. Et j'y vois aucun inconvénient. Comme ça, vous pourrez le partager à tout le monde. Alors c'est sûr que moi, je ne peux pas voir tous les dessins, c'est impossible. J'ai 24 heures dans une journée et j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à le partager aussi sur la communauté. Comme ça, vous pourrez échanger, vous pourrez avoir même des retours. Et moi, pendant les lives, je vous fais un maximum de retours. Mais après les lives, je ne peux pas forcément vous faire des retours pendant la semaine parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, en général, je vais vous répondre assez rapidement si vous m'envoyez un mail, mais évitez de m'envoyer des mails pendant la semaine si vous n'avez pas de questions, sauf si je vous ai demandé de m'envoyer un mail pour me montrer quelque chose, évidemment. Mais sinon, de manière générale, pour ce qui est des lives, essayez de le faire en live et après sur la communauté, comme ça, moi, ça me permet d'avoir moins de mails et d'avancer plus mon travail. Tu veux pas faire la séance avec ton kiné en ligne, je te donne une séance de kiné à faire si tu veux. Quoi, t'as fait quoi? Une entorse de cheville? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Et oui, j'étais kinésithérapeute. Je peux t'aider, moi. Bon. Ok. Je vais revenir sur mon ami Leonidas pour l'avancer un petit peu, hein, tant qu'à faire. Et désolé pour ceux qui étaient en train de regarder ma potion. Et... je vous avais prévenu hein, que j'allais revenir dessus. Le dessinateur kiné. Il a les yeux noirs, Leonidas. Hein, il a vraiment les yeux super noirs. Les gros sourcils aussi. Tu recevras ton châtiment d'ici Sparta. Le messager qui passe dans le fossé. Quel bourrin ce Leonidas. En même temps, il avait prévenu, hein. C'est Sparta. Ils ont mis aussi du maquillage autour des yeux. On a vraiment l'impression qu'il a... Sur les sourcils, d'ailleurs, aussi, je pense. Ils ont mis du mascara. Mais ce regard noir, là, c'est quelque chose à mettre en avant, je pense. Voilà, j'ai un peu foiré l'œil. C'est un peu le problème aussi des petits dessins. Quand vous faites un personnage, c'est bien de dessiner avec une petite mine, une mine bien fine. C'est Sparta. Je n'ai pas fait beaucoup de front, hein, par contre. En même temps, on ne sait pas à quoi il ressemblait, Leonidas. Hein. On n'est pas obligé de le faire pareil que dans le film. On dirait qu'il a un serre-tête. D'ailleurs, je peux faire la chevelure en deux parties. Je ne sais pas si vous avez vu le tutoriel de Laetitia sur les cheveux, qui était très bien fait, d'ailleurs. Sur Instagram. Donc,
Donc, c'est bien d'essayer de deviner, de subdiviser la tête pour savoir l'origine des cheveux, en fait. Donc, de chaque groupe de cheveux. Et ça permet, en fait, de faciliter la tâche ensuite. Une fois qu'on a divisé la surface de la lisière des cheveux sur la tête, après, c'est plus facile de voir ça en 3D. On a tendance à faire des trucs en 2D, mais en fait, c'est quelque chose qui épouse la forme de la tête. Donc, il faut vraiment penser en 3D. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour ceux qui débutent. On va lui faire... Je vais lui montrer les gencives, ça va lui donner un air super sévère. On dirait qu'il fait ça là. Hey, this is Sparta. Je vais te démonter. Ah ouais, il a une tête sévère là. J'aime bien. J'aime bien sa tête. Ils ont même mis du maquillage autour aussi du nez. Comme s'ils avaient mis l'emphase sur cette espèce de... cette partie-là ici. Et c'est vrai que ça donne un air violent. Ça fait les traits vraiment plus durs. Là, c'est pareil pour les pommettes. Je pense qu'ils ont mis un peu de maquillage aussi. Finito! Good, good, good! La petite potion. Yes, vous pouvez aller voir sur apprendre.a.dessiner. C'est pas grave, Céline. Rejoins-nous. En même temps, si tu croyais que c'était 18h30, ça veut dire que t'étais pas au courant, ça veut dire que t'es pas inscrite à la newsletter. Enfin, pas à la newsletter, mais à ça, cette liste-là. C'est là que j'avertis à l'avance. Et encore une fois, j'avertis à l'avance aussi parce que je prévois des cours qui ne sont pas diffusés au public, vu que probablement il va y avoir de la nudité et tout. Pour le moment, j'évite d'en faire parce que voilà, le temps que les gens ils comprennent que des fois ça... Allez, je triche un peu. C'est cet œil-là, j'arrive pas à le... Donc inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et regardez dans vos spams aussi. Très important, les spams. Parce que vous voyez, des fois, ça va dans les spams. Bon, je reprendrai cet œil tout à l'heure parce que Cyril va me dire... Ok, ça marche, Céline. Ok, donc héros, potion, ça va être quoi le troisième? Mystère et boule de gomme. Ok, le troisième, ce sera le mot cimetière. Ah, je vous avais dit en début de séance qu'il y avait la mort quelque part. Cimetière. C'est tous ceux que Léonidas a mis au cimetière. Ok. Donc, cimetière. On va chercher ça. Cimetière. Incroyable. Ah, c'est cool, un cimetière avec un espèce de petit cercle comme ça. Not bad, not bad. Il me plaît, mais à moitié. Il me plaît à moitié.
Je crois que je vais revenir. Oh! Shoot ça. Ok, choisis, Pete. Choisis. Je pense que je vais revenir sur un de ceux d'en haut. Avec une petite perspective, avec un point de fuite sur la droite. Comme ça, je pourrais intégrer ça en fond. Où est-ce qu'il était, celui de tout à l'heure, là? Il a filé entre mes doigts, vilain. Bon, décide-toi, allez, je vais prendre celui-là. Ça ira bien. Let's go, on est parti pour 10 minutes. 10 minutes. C'est parti. Point de fuite. Ceux qui ont suivi la formation composition avec moi, point de fuite vers la droite, vers la tête du monsieur. Et vu que l'épée fait pareil avec le bras, etc. Et avec la lanière, ça va vers le... Ça donne une direction pour l'œil de gauche à droite. Parfait. Pour les occidentaux comme nous. Et donc, ligne de vision, la ligne de vision est ici. Et donc, je vais faire ma ligne de fuite comme ceci. Voilà. Deux petites lignes de fuite avec une ligne de vision bien horizontale, qui n'a pas l'air horizontale sur l'écran. C'est ça d'avoir le nez dessus, comme ceci. Deux points de fuite. Tac. On va le faire hors champ par là. Voilà. C'est parti. Tac, tac, tac. On arrive sur la ligne de vision et la perspective s'inverse. On passe. Ah, ça arrive pile sur la pointe de l'épée. On dirait que j'ai fait exprès. Diagonale, on trouve le milieu. On peut faire cette espèce de d'entrée symétrique. On prend un point de repère ici. Tac. On utilise la ligne de fuite là pour faire un truc symétrique. Base du dessin oblige. Si vous voulez apprendre la perspective, commencez par le mini-guide gratuit et après, vous pouvez aller voir les bases du dessin sur apprendre-à-dessiner.org. Donc après, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Le point de fuite. Tac. Il y a une épaisseur à la porte. Et donc, on peut faire une épaisseur comme ceci. Voilà. On va faire comprendre que c'est une pierre tombale. On part du milieu, qui devrait être par là. On fait d'abord le squelette de la croix. Et ensuite, on vient ajouter une épaisseur. On utilise le même point de fuite à gauche et le même point de fuite à droite. Même pour les détails, attention. Il y a certains élèves qui font les gros blocs et après, ils se disent, oh, bah, les détails, les fenêtres, les machins, les trucs. Et bien, bah, c'est pareil, c'est dans la même perspective. Et donc, il faut prendre le temps de regarder son point de fuite. Pas faire n'importe quoi. Voilà. Et là, elle vient s'encastrer. La partie basse vient s'encastrer sur le haut. Voilà.
Ensuite, on va faire une deuxième petite pierre tombale. Combien il reste de temps? 6 minutes. Qu'est-ce qu'il me raconte tout ça? Sur la théorie des 10 000 heures et la méthode de la pratique délibérée. De quoi? Tu me posais des questions? Combien de temps que tu as appris le dessin? Moi, trop longtemps. Mes élèves ont appris beaucoup plus vite que moi. Mais bon, c'est le problème aussi. Quand tu travailles, tu sais pas trop où tu vas. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai mis, je te dis, au moins de 5 à 7 ans pour apprendre les bases de dessin. Et c'était la galère d'apprendre tout seul. C'était la galère. Donc, si à l'époque, il y avait eu un site comme Apprendre à dessiner, j'aurais pris des cours directs. Je me serais même pas posé de questions, en fait. C'est une économie de temps, une économie d'argent. Je suis pas vraiment un exemple sur l'apprentissage du dessin. Pas du tout, même. En général, mes élèves, ça dépend vraiment des élèves, ça dépend en fait du temps disponible. Mais en général, mes élèves, ils mettent, je pense, pour commencer à maîtriser les bases, ça prend, je pense, bien 6 mois, 1 an, avant de bien être à l'aise avec la perspective. Sinon, la formation, en 5 semaines, tu peux la finir. Mais après, c'est sûr qu'il faut repasser dessus plusieurs fois. Et en général, les élèves, ils finissent la formation. Ça dépend, hein. Il y en a qui traînent, il y en a qui vont très très vite, même trop. Mais en général, c'est dans les 2 mois, 3 mois. Ça vraiment dépend des gens. Si ça répond à ta question, évidemment. J'aime bien ce petit arbre là en arrière-plan. Ah, c'est ça que je chante, que je siffle depuis tout à l'heure? Il était une fois dans l'Est. Dans l'Ouest, pardon. Karim. Sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Très bon film d'ailleurs. Probablement le meilleur western de tous les temps. Sinon, il y a le bon, la brute et le truand aussi. Vraiment très très cool. Sinon, certains films. Des autres films de Clint Eastwood aussi, j'imagine. Ça commence à être. Les westerns, ça commence à être vraiment. Ça commence à vieillir, mais. Il y en a certains qui vieillissent pas en fait. Il y en a certains qui sont intemporels. Ah, ça y est, mon voisin a décidé de commencer à percer. C'est le moment. En plus, il a commencé. C'est marrant parce que je voulais me connecter. Et juste au moment où je me connecte, il commence à faire du bruit. Et là, je fais non, mais là, il a choisi son heure, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il l'a fait exprès. Il reste 2 minutes 12. Est-ce que j'ai le temps d'en faire de faire autre chose là? Ah, j'ai tendance à faire des tangentes dans tous les sens, c'est fou. Ça m'énerve. Hop, on va faire ça là. En fait, cette forme se répète, je veux pas la répéter en fait. Je sais, je me fais trop influencer par la photo là. J'aimerais bien autre chose, quelque chose d'autre. J'irai chercher un autre d'autres formes. Celle-là, par contre, à gauche, là, elle peut être pas mal.
Attention, c'est un plan incliné, donc attention à vos points de fuite. Ça s'est avancé. Donc là, ça ne va pas tarder à être terminé, à mon avis. Faire un bloc en avant. Attention à la tangente, encore une fois. Je vais décaler ça, ce trait-là. Ça s'est avancé, donc ça avance. Secondes. Et voilà. Finito. Ah, je connais pas ça. Nefertiti. Peut-être une fois en Amérique. Est-ce que j'ai vu celui-là? Django, il est trop bon, Django. J'avoue. Bah, c'est plus un western à la sauce Tarantino. C'est Tarantino, hein, je crois, qui a fait ça. C'est un très bon film. Très, très bon film. D'ailleurs, DiCaprio se fait mal dans ce film. Il se fait mal dans ce film. Il se coupe. Et il continue à jouer. D'ailleurs, ils ont gardé la scène où il se coupe. C'est la scène où il parle du crâne... Je crois qu'il parle du crâne de l'esclave, comme ça. Et puis, à un moment donné... Il fait, je sais plus ce qu'il fait. Il casse son verre et en fait le verre l'a coupé. Ils ont gardé. Et donc il pisse le sang. Il était une fois la révolution. Ah, je l'ai pas vu non plus. Putain, je vais aller voir ça. Je me le note. Je me le note. Je veux absolument. Je vais me le noter. Je prends 2 minutes pour me le noter. Moi, si c'est des films cultes que j'ai pas vus, c'est ça m'énerve. J'ai envie de les voir. Donc, je prends juste 2 minutes pour le noter. Mais il est possible que je l'ai vu, hein, en fait. Mais j'ai pas vraiment une très bonne mémoire pour ça, en tout cas. C'était une fois en Amérique. Possiblement, je l'ai vu. Hein. C'était plus à l'époque où je regardais beaucoup. Il y a une époque où j'ai arrêté la kinésithérapie. C'était en 2010 et je regardais beaucoup, beaucoup de... J'ai regardé Dr. House en... Je crois que j'ai fini Dr. House en l'espace de... Je sais pas. Quelques semaines, je pense. 3 semaines. Je me suis gavé, quoi. Impitoyable. Ouais, je crois que j'ai vu celui-là. Ah, tu sais, j'ai tellement vu de films. Je suis un gros cinéphile, mais le problème, c'est que je retiens pas. Des fois, je regarde même pas les noms des films et je le regarde. Et après, je me dis, mais c'est quoi ce film? Je me rappelle plus. Et après, je dis, ah, mais oui, ça s'appelait comme ça. On passe sur le quatrième mot. Quatrième mot étant le mot gondole. Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas. Gondole. Gondole. Donc, on va chercher ça sur Internet. Gondole. Ah oui, Les Incorruptibles, oui, je l'ai vu ça. J'ai vu Martine. Très bon film. Gondole.
Venise, forcément, on va tomber sur Venise. Bon, c'est pas grave. On peut faire le cimetière de Venise. Ok, je partage mon écran. Boum. Alors, comment on peut gérer ça? Est-ce qu'on fait de l'eau en premier plan? On pourrait, hein? On pourrait. Ah. Il n'y aurait aucun rapport avec la scène, lui. C'est ça qui est drôle. Peut-être faire ça derrière là-bas. Allez, moi je vais partir sur ça et je vais faire une petite perspective qui va par là-bas. Ouais, ça peut être pas mal. Let's go, on se dit 10 minutes. C'est parti. Donc les gros blocs en premier. Donc ça donne une drôle de perspective ce pont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi cette partie-là? La partie-là est trop bizarre. On dirait qu'elle ne suit pas la perspective. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il est penché, pardon. Ça, c'est la partie penchée du pont. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc. Ok. Donc je mettais du point de fuite par là-bas. Je vais remonter un petit peu. Le problème, c'est que la gondole, elle sera, on la verra pas bien. C'est pas grave, je vais remonter un peu le pont là. Ça. Tac. Là, je vais faire le plan incliné ici. Les verticales sont verticales. C'est pas 3 points de fuite, c'est 2 points de fuite. Attention. Ne vous trompez pas. Si vous faites quelque chose comme moi, évidemment. Mais encore une fois, c'est une séance libre, hein. Faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous influencer. On est là pour dessiner. Alors. Et donc la gondole, elle va être où? Bonne question. Je vais faire la gondole juste là, moi. Comme ça, on va faire semblant qu'il y ait de l'eau ici. En plein milieu du passage. Ah, ça, c'est bien des idées à la pizza. Du tout et n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire. C'est juste que je ne veux pas lui couper la tête à ce pauvre monsieur. Décapitons-le! Amenez la guillotine! Reste 6 minutes 30. Ça vous stresse, hein? Ou stresse le temps. J'avais une élève il y a, je pense, 4 ou 5 ans qui m'avait dit, ah oui, mais là, le temps, c'est trop stressant. C'était pour la formation de personnage, je crois.
Oh, j'y arrive pas, c'est trop rapide. Je fais, mais justement, ce temps, il faut bien l'utiliser. C'est surtout ça, en fait, le truc. C'est juste bien utiliser le temps. Et on utilise le temps, justement, parce qu'il nous met la pression. Et on l'utilise mieux. Au début, on a du stress, c'est sûr, mais au bout d'un moment, en fait, on y arrive à mieux le gérer. Et une fois qu'on gère bien ses émotions, après, c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, ce travail qu'on fait au tout début, de gérer son émotion par rapport au temps, il va nous servir beaucoup plus tard. Et donc, il nous faut quelques séances pour s'habituer, en fait, tout simplement à utiliser le temps sans être stressé trop. Parce que c'est bien d'avoir un petit stress quand même. Moi, j'en ai un de petit stress, hein. Moi, si je fais un dessin tout pourri devant vous, je vais être un peu stressé. Je vais me dire, bon, bah, ils me prendront pas au sérieux, quoi. Je peux arrêter tout de suite mon métier, hein. Mais heureusement, j'ai appris avec le temps, tranquillement, à me dire, bon, c'est pas très grave. De toute façon, si tu te rates, bah, tant pis, t'as encore du temps plus tard, hein, c'est pas très grave. Donc, et à force, en fait, on commence à vraiment prendre plaisir, même si on a du temps limité. C'est vraiment pas. Ah, ça, c'est plus un problème au bout d'un moment. C'est plus vraiment un problème. Mais ça devient même un avantage, le fait de pouvoir travailler avec le temps. Parce que si on ne se met pas de temps, c'est comme si je vous dis, ben, je vais dessiner une BD, mais je ne me donne pas de temps. Ça veut dire qu'à 90 ans, je n'aurai pas terminé. Donc, il faut se donner un délai. Si on ne se donne pas de délai dans la vie, c'est difficile, là. It's difficult. J'étais pas stressé jusqu'à que tu dises gondole. C'est vrai que la gondole, c'est pas facile à faire, mais il faut essayer d'imaginer un bloc. On ne parle pas de rectangle quand on fait ça en perspective. Mais bon, je sais que mes élèves débutants n'y arriveront pas forcément, et c'est normal, hein. Mais vous allez voir qu'avec le temps, après, une fois que vous avez vraiment bien, bien assimilé, bien pratiqué les bases, après, ça devient beaucoup plus facile, hein. Parce que tout ça, là, tout ça, au final. Ça, c'est des choses, à part la composition, etc. Mais je veux dire, ça, c'est des choses finalement qu'on voit dans les bases. Et c'est pour ça qu'en fait, il vous faut. Au début, on n'a besoin que du cours de base. La formation croquis aussi va ensemble. Mais je veux dire, ces deux premières formations, c'est pour moi les. Voilà. C'est le béaba. Et c'est le truc de toute façon qu'on travaillera encore 10 ans après, quoi. Dans le sens où on l'utilisera tout le temps. Donc autant s'en servir, quoi. De toute façon, on est obligé de s'en servir. Parce que sans ça, je pourrais pas dessiner tout ce que je dessine, là. Enfin, ce serait pas possible. Alors, sur un plan incliné, par contre, tout ça va être vertical. Donc ça, il faut que je fasse attention à ça. Toutes ces formes, là. Donc c'est bien de se donner un axe quand on commence à dessiner des. Donc là, je fais ça rapidement, hein, mais voilà, on se donne un axe, comme ça on peut dessiner les gros blocs. Et voilà. Il reste 1 minute, les amis.
Silence dans la salle, tout le monde est concentré. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un décor! Le vilain! Hein? Trop compliqué pour nous! Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. C'est une séance libre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Alors, des mouvements dans l'eau au crayon, c'est pas évident, hein. Va faire le reflet de ça, là. Hop. Qui suit la perspective, hein. Attention, reflet. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les reflets qui datent d'il y a bien, bien longtemps. C'est fini. Je finis juste ma petite croix là, dans le reflet. Donc là, on devrait voir le bas de la croix. Comme ceci. Oh, j'ai fait ça on the fly. C'est fantastique. Très bien. Ou ta maman. Ah oui, j'aurais pu dessiner ma maman. Mais bon, ça suffit. La dernière fois, j'ai dessiné Merci maman. D'ailleurs, Cyril, t'avais bien vu, hein. Mais dans le dernier dessin, j'avais pas laissé. J'avais pas laissé maman. Mais je vais le refaire ici, tiens. Officiellement, je vais faire. Un petit cœur avec maman dedans. Maman. Voilà. Comme ça, c'est officiel. Je t'aime, ma petite maman. Voilà. Ça, c'est officiel. Officialisé sur Internet. Dans 50 ans, ils se connecteront sur YouTube. Et puis, ils verront. Ah, il aimait sa mère. Ah, ça existait, les gens qui aimaient leur mère à l'époque. Imagine. Imagine le truc violent. C'est ça en plus. C'est pour vraiment pour faire le faillot. Je fais le faillot auprès de ma mère. Mais ça marche bien, hein. Après, elle me fait des bons petits plats quand je rentre en France. Non, mais c'est la meilleure maman du monde. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Oula, je suis en train de tricher, pardon. Alors, ma caméra qui se fait un peu la malle, je vais la remonter un petit peu. Hop là. Ah, Pete, 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 Pete. Qu'est-ce que tu fais? Pas facile hein, de placer sa caméra. Est-ce qu'il y a une petite latence? Hop là. Voilà, il faut que je visse là. Vise, vise, vise. Ok. Bon. On a fait quatre mots, les amis. Ce qui est déjà pas mal du tout. Et il nous reste deux mots, donc il nous reste 20 minutes de dessin. Et donc, le prochain mot, mesdames et messieurs, le prochain mot est trou noir. Trou noir. Eh oui. Et donc, trou noir. On va aller chercher ça sur Internet. Ouais, c'est facile, hein. Ah, il va y avoir un joli petit dégradé là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que je vais le faire en bas, le trou noir.
En fait, c'est Léonidas qui sort d'un trou noir. C'est ça que je vais faire. Ok. Donc, je vais prendre vraiment un truc bateau. Hein. Je vais. Ah, j'aime bien celui-là. Esthétique. Pourquoi la température d'un trou noir est-il si difficile à mesurer? Est-ce qu'il fait froid dans un trou noir ou est-ce qu'il fait chaud? Et est-ce que la température est mesurable? Ça aussi, on peut se poser la question. C'est parti? On est parti pour 10 minutes? Et encore une fois, hein, si vous faites votre trou noir en 3 minutes, vous pourrez revenir sur autre chose. Alors, oups. Non, je vais prendre celui-là, je pense. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Oh, c'est beau, ça. Je pense que celui-là, il va être plus simple. Parce que l'autre, il a trop de détails. C'est un problème quand il y a trop de détails, malheureusement. Ah, c'est ça, j'aime bien aussi. Ok, je vais faire ça, mais en mode... J'aime bien le design de celui-là. Donc, ce que je vais faire... Oh, je vais faire partir le trou noir de cette partie-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vrai que les mots sont devant. C'est que vous ne me voyez pas dessiner. Ok, je vais l'enlever 3 minutes. C'est le temps de dessiner. Trou noir, les amis. Allons-y. Encore une tangente. Et on dirait que je le fais exprès. Ça, ça vient tout seul. Hein. Ça, c'est automatique. Je suis en train de lire ce que vous dites sur le canal. Il y en a qui ont l'esprit tordu, hein, je vous le dis, moi. Mais en même temps, un trou noir, hein, c'est sûr que... c'est pas... ça peut aller vite, hein, les interprétations. J'ai changé de gant parce que celui-là il commence à être un peu sale. Hop.
mon trou noir ressemble à ton parc épic. Me dit Béatrice. Il reste 5 minutes 30. Pas facile, hein? C'est joli un trou noir, n'empêche. En tout cas, l'idée qu'on a du trou noir. Ben, ça va se transformer en tourbillon d'eau, mon affaire. Là. Ça, c'est les touristes qui sont tranquillement sur leur gondole. Puis d'un coup, il y a Léonidas qui vient les attaquer pour aucune raison, complètement gratuit. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? This is Sparta! Policia! Policia! Voilà, la cape va servir de... pour le mouvement. Là. Ouais. Ah ouais. C'est une bonne idée, ça pite. Il n'y a pas de problème, Célia, ça fait plaisir. C'est cool. Je suis content que ça t'aide. All right. Il reste 2 minutes 15, les amis. Je pense que ça, c'est pas dans la bonne perspective. Et moi, ça me bug. Bon, là, c'est abstrait, hein, mais il y a une partie vraiment abstraite où Léonidas vient agresser les gens et pour rien, en plus. C'est genre... Qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu sais, c'est comme ces héros qui interviennent alors que personne ne leur a rien demandé. Le super-héros super maladroit qui tape les gens sans faire exprès, qui met les gens encore plus dans le caca qu'ils sont déjà. Ça, c'est drôle.
Ouais, hein, c'est vrai, t'as raison, Béatrice. C'est vraiment intéressant. En plus, là, vu que j'ai fait un pont avec une partie inclinée, c'est vrai que ça fait un décor assez rapide. Et finalement, quand on fait un décor, le plus difficile, c'est s'imaginer les gros blocs. Parce qu'après, les détails architecturaux, de toute façon, une fois qu'on a choisi les points de fuite, hein, ça va vers les bons points. Donc, et c'est assez facile d'empiler les blocs quand on a les connaissances de base. Et au final, ça rend vite bien. Hein. Mais ouais. Effectivement. J'avais pris une photo en Argentine, à Buenos Aires, le plus beau cimetière que j'ai vu de ma vie. Il y a deux cimetières que j'ai visités. C'est un qui était à Dublin, je crois, et un à Buenos Aires. Et franchement, celui de Buenos Aires, il est absolument incroyable, à couper le souffle, quoi. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'aller en Argentine, magnifique. Laurence me dit, pour les références, il faut trouver des photos qui ont la même perspective, non? Oui, tu peux, ou sinon, juste des fois, c'est juste, tu vois le design. C'est sûr qu'après, c'est voilà, si tu n'as pas vraiment beaucoup l'habitude de faire cet exercice-là, ça va dépendre de ton niveau, en fait. Mais moi, en général, j'ai juste besoin de voir un design. Après, je me dis, OK, et après, je peux le mettre en perspective. Mais encore une fois, ça, c'est quand même un peu avancé. Si toi, c'est mieux que tu vois à peu près la même perspective, tu vois. Donc voilà, c'est un peu plus difficile à chercher. Mais fais pas trop compliqué. Je te conseille vraiment pour ce genre de séance. Voilà, fais des gros blocs. T'embête pas trop non plus avec la perspective. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, tant pis. Vraiment, tu peux rester abstrait. Tu peux faire des formes plus rondes. Donc, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Oui, ouais, après c'est sûr que si tu bouges ton dessin, si tu le tournes, etc. Et des fois, c'est bien aussi de faire le travail de penser, en fait, OK, mon point de fuite, il va là-bas, OK, et essayer de l'imaginer en dehors de ta feuille. Donc ça prend un petit peu d'expérience aussi, ça prend une gymnastique mentale, donc, mais c'est possible. Isabelle qui dit, Cyril, tu fais des hachures aujourd'hui? Cyril, c'est sûr qu'il va faire des hachures. Non, il va peut-être faire des aplats noirs. Hein. Qui sait? Alright. Bon. Eh bien, on a fait les cinq mots, cinq premiers mots, et donc il nous reste un mot. Et le mot sera alien. Cyril, Cyril, attends, il va poster son dessin. Mais tant pis, c'est franchement, Scarlett, franchement, tant pis. Vraiment. Ok. Donc je vais le noter. Donc, Alien. Je vais vous le noter à l'écran. Donc les mots, c'était héros, potion, cimetière, gondole, trou noir et alien. Donc, ça peut être un vaisseau alien, ça peut être alien du film Alien, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous savez, on va tomber tous sur la même chose, Alien du film Alien et le gros martien en forme de je sais pas quoi là. Mais ça peut être une invention de votre part. Vous pouvez inventer votre propre alien. Donc voici le genre de résultat qu'on peut avoir quand on tape alien. Il y a même Yoda. Moi, j'aurais bien envie de faire un vaisseau alien. Donc là, il manque de quelque chose. Juste éteindre ça là. Là, il manque de quelque chose.
Ah, les aliens dans la gondole? Ah oui, Laurence. Effectivement. Ou je peux faire un alien qui est assis là, mais j'aimerais bien faire quelque chose en arrière. Là. Et là, il manque quelque chose ici, je trouve. Oh my god. Il y a vraiment des... Enfin, des fois... Ah, il est marrant celui-là. Ouh. Ah, sympa. Je peux peut-être me le caser quelque part celui-là. J'aime bien le design d'Alien, hein, c'est quand même bien fait. Super bien fait. Bon, faut que je choisisse. Allez, choisir la soucoupe. Et choisir la soucoupe qui suit la gondole. Allez, 10 minutes, c'est parti. Ah, j'aurais pas dû la faire comme ça. Parce qu'on va pas voir le haut. Pour le design, c'est mieux qu'on voit le haut quand même. Voilà. Quelque chose comme ça. Je vais la faire un peu plus haute que prévu. Je vais faire une armée de... de soucoupe. Pour mettre ça au propre, ça va être coton. Hein. Parce que, en fait, avec le temps, je me rends compte, même mes dessins se compliquent de plus en plus. Au début, c'était gentillé. Au début, c'était gentillé. Et après, ça a commencé à se compliquer. Et après, ça a commencé à faire. Ouais, quoi que celui-là, encore ça va. Mais celui-là, la dernière fois, il y a trop de petits détails et tout. C'est infernal, les détails. Et donc là, on se retrouve avec un porc épique. Alors moi, là, au moins, c'est simple, mais il y a des détails, il y a des détails. Voilà, ce sera ça mon dessin d'aujourd'hui. C'est bon. Bye. Pour l'alien, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Il reste 6 minutes 40.
Tiens, je vais faire la tête d'un alien qui sort de l'eau. Juste là, là. C'est l'invasion des aliens. Ah, Léonidas, ça y est, j'ai compris. Léonidas, il vient pour défendre l'humanité des aliens. Et il sort d'un trou noir, vu qu'il ne fait pas partie de cette époque. Et voilà. C'est bon, j'ai mon histoire. C'était aussi simple que ça. Il est complètement débile, ce mec. Ok. Je vais faire une autre petite recherche à côté. Excusez-moi. Tac. Alien. Ah, il est trop chou. Bon, faut que je me décide, hein. J'ai plus que 4 minutes 30. Ah, je l'aime bien celui-là. Monster vs Alien. Ah ouais, c'est un vieux anime, ça. Ah ouais, je l'aime bien, celui-là. Il rend cool. Allez. J'ai utilisé ce design dans la perspective. On va lui faire sortir la tête de l'eau, comme ça. Salut, c'est Manu. À la prochaine, Bulk. Salut, Jean-Pierre, à la prochaine. Bien sûr, Sonia, bien sûr. Ton fils peut poster, évidemment. Sans aucun problème. Avec grand plaisir, même. C'est des séances publiques, hein, donc tout le monde peut poster. Il n'y a pas besoin de me demander. Ah, je vais faire un alien qui perce la gondole avec un tournevis.
Ah oui, je sais ce que je vais faire. Comme une espèce de bouchon. Il va tirer le bouchon. Il a retiré le bouchon de la gondole. Comme c'était un truc gonflable. Ok, 2 secondes. Et fini. Terminado. Ah oui, pardon. Il faut que j'arrête, sinon Cyril va me taper sur les doigts. C'était pas mal. Belle petite séance. Belle petite séance. C'était cool. Les amis, si vous voulez prendre des cours avec l'équipe Apprendre à dessiner, vous avez 10% si vous suivez ce live avec Live AAD 10. Je vous laisse poster vos dessins donc sur le lien du live qui est celui-ci. Et si vous n'êtes pas inscrit, pour vous tenir au courant, il y a toujours ce lien-là. Vous pouvez vous inscrire et vous recevrez toutes les nouvelles là-dessus. Si vous voulez découvrir la perspective gratuitement, vous avez aussi ce lien-là. Donc vous pouvez télécharger le mini-guide et je vous envoie ma super newsletter avec plein de conseils. Tout est gratuit. Donc faites-vous plaisir. Et donc les mots du jour étaient ceux-là. Et je vous laisse donc poster vos dessins. Et donc je vais regarder ce que vous m'avez fait. Et je vais commenter. Et selon le nombre de dessins, on va voir. Donc on va essayer de pas dépasser, on va essayer de pas dépasser les 20h30. Voilà. Il faut éviter de faire 4 heures de. Voilà. Donc là, je vais prendre la prochaine heure pour parler de vos dessins et essayer de vous donner un maximum de conseils. Salut Nicolas, à la prochaine. Salut Moria, à la prochaine aussi. Donc, postez vos dessins et on va regarder ça ensemble. Merci Manu. Commentez, likez. Tout à l'heure, vous aurez le droit donc à la rediff. N'hésitez pas à commenter sous la rediff. Vraiment très apprécié. Parce que le chat, c'est une chose, mais l'algorithme est avantagé quand vous commentez et quand vous likez la vidéo. Et surtout, des commentaires, même des questions, hein. Posez des questions, hein, si vous avez envie de poser des questions. Comme ça, je peux vous répondre. De toute façon, de base, je vais vous essayer de vous répondre. Donc, même en vous disant juste merci ou autre. Voilà. Et ça permet de remonter les vidéos dans les moteurs de recherche. Comme vous le savez, sur YouTube, en ce moment, c'est très difficile parce qu'on est inondé de bots, etc. Et donc, les humains comme nous qui faisons, je pense, j'espère, du bon travail, on est un peu pénalisé par ça. Et donc, voilà. Donc, on est moins visible. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que apprendre à dessiner, c'est, je pense, j'espère, une bonne chaîne. Donc, voilà. Mais Sonia, t'as pas le lien d'aujourd'hui? Normalement, tu devrais le recevoir. Enfin, t'es inscrite, ça fait un moment que tu nous suis là.
Merci Isabelle. Non, Scarlett, non, non, non. Non, il faut les poster à partir de cette page-là. Je te donne ça, attends deux secondes. Hop. Ici, là, il faut les poster à partir de ça. Alors, attends, toi, tu ne le vois peut-être pas. Ok, autant pour moi. Je vais te l'afficher à l'écran. Ouais, parce que j'ai un problème avec les commentaires. Voilà, c'est celui-là. C'est ce lien-là qu'il faut utiliser. Donc, apprendre à dessiner.org slash live slash et après l'idée. Voilà. Donc, ce sera par là. Je vous donne encore 5 minutes pour poster. Et on va faire une petite review de vos dessins. Donc, sachez qu'il y a le Black Friday qui arrive. C'est le 26 novembre. Donc, il va y avoir de belles réductions sur les formations. Donc, si vous avez l'intention d'acheter certaines des formations, typiquement formation de composition, des formations que vous n'avez peut-être pas, hein, que la plupart d'entre vous n'ont pas, vous pouvez attendre la fin du mois. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez un lien et vous aurez un code de promo. Voilà, je laisse encore un petit peu de temps. J'espère que cette séance n'a pas été trop difficile. J'avoue que, sérieux, c'était pas facile. Mais en même temps, je me suis engagé dans des trucs pas faciles. Alors, aussi bien, vous avez trouvé des idées plus simples. J'espère pour vous. Encore une fois, on peut dessiner des objets sans forcément faire une composition. Vraiment, le truc le plus... Pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est que vous, déjà, vous lâchiez, que vous n'ayez pas peur de faire même... Si vous trouvez ça moche, vraiment, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est de dessiner, en fait. C'est vraiment de vous donner une régularité dans le dessin. Et c'est ce que j'essaie vraiment de vous pousser à faire. Comme ça, les lives, ça fait vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est ça. Et quand vous voyez un truc facile à dessiner, ne copiez pas, par exemple. Si vous savez que vous pouvez le dessiner facilement, ne copiez pas forcément. Essayez de l'arranger. Essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu mieux. Il faut se donner, je pense, des challenges, des fois, et de ne pas trop aller dans la facilité. Donc ça, c'est aussi une chose qui peut vous aider. Ça marche. Bon, on va commencer à regarder ce que vous avez fait. Tac. Ok, je vais regarder ça. Oh, oh, des belles choses. Oh, classe Nike. Ah, j'adore ce que tu m'as fait. La petite gondole. Ah, ça, c'est, ça ressemble un petit peu au bateau des elfes de Seigneur des Anneaux. Ou un bateau de corsaire, je sais pas. Mais ouais, ça fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Le petit héros qui va couper la galaxie, là, qui va couper le trou noir. Et le trou noir étant le prolongement de la potion. Ah oui, c'est en ouvrant la potion qu'il y a le trou noir qui s'est fait. Ah, c'est pas mal ça. Là, derrière, il y a E.T. qui... Ça, c'est marrant. Et le petit tombeau ici. Pas mal, hein ? Pas mal du tout. Bien joué. Catherine qui a mis des couleurs avec Sergent Brocoli. Le petit alien sur les pierres tombales. Très, très sympa. Le petit trou noir avec la petite gondole et la mort qui sort du trou noir. Super, ça raconte une belle histoire. J'aime bien. Et donc, Super Brocoli qui est là pour taper avec sa fiole sur la tête de la mort. Ah, c'est très, très bon. Flore. Ah, Flore, c'est sympa. J'aime bien. T'as même utilisé la perspective, là, avec bien central, bien dominant, le héros. Les aliens, l'invasion des aliens et le héros qui est là pour les désinguer, quoi. Grosso modo, hein. Avec les... avec les gondoles qui sortent du ciel. C'est très, très bien.
C'est très très bien. Je suis fan. Morgane. Morgane. Ah, tu t'es bien lâché aussi, Morgane. La petite fiole, laissez-moi en paix. C'est la tombe de l'alien, j'imagine. Et en fait, la tombe de l'alien qui est un espèce de petit zizi qui sort, qui est en forme de jauge, en forme de fiole. Et là, c'est la tornade, le tourbillon, le trou noir. Et le héros est là, bien sûr, pour faire en sorte que... Je pense que l'héros, en fait, il va courir. Il va faire « Non, non, mais en fait, c'est bon. Je vais te laisser faire ce que tu es en train de faire, là. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Très bien, Morgane. Pauline. Ouais, Pauline, c'est cool, ça. Venise, classique. Le petit trou noir derrière. Le petit alien qui a trouvé une bonne tête. Captain America qui est là, qui fait « Qu'est-ce que je fais à Venise, quoi ?» Il a pris son vol, il pensait être en vacances et il fait « Mais qu'est-ce que je fais là, quoi ?» Et la fiole qui est super bien faite. J'aime beaucoup ta fiole. Avec le petit bouchon en liège, là. Death Potion. Bah, c'est très cool. De toute façon, cet univers ne va plus exister dans 3 minutes, vu qu'il va être aspiré. Très très bien. Hélène. J'aime bien ton trait, Hélène. Vraiment très clean. Très sympa. Avec notre ami, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas Dark Devil, c'est bon sang. Comment il s'appelle? Mais très sympa, la petite perspective à un point de fuite. Vraiment bien vu. Très bien vu. La petite gondole. Ouais, j'aime bien. J'aimerais bien que tu le finisses, Hélène. Je pense qu'il va être vraiment très cool. Et tu pourras le poster sur la communauté. Hein. Donc, le lien de la communauté, pour ceux qui ne sont pas sur la communauté, c'est celui-ci. Deadpool. Voilà, c'est ça. Merci, Wild. Donc ça, c'est ceux qui ne sont pas inscrits sur la commu, vous pouvez vous inscrire. Donc facebook.com/groups/communauté AAD. Et AAD veut dire apprendre à dessiner. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, apprendre à dessiner. Cyril, très très bien Cyril, la silhouette petit malin, t'as utilisé la silhouette, c'est bien. Le petit alien sur la pierre tombale, très cool. Bah voilà, c'est bien. Là c'est vrai que c'est difficile un petit peu à lire ici, mais avec la couleur ça fonctionne bien. En fait je dirais heureusement que la couleur est là. Ça nous donne une petite emphase sur cette partie-là. Mais très sympathique. En fait, j'aime bien ce que tu as fait, là, l'espèce de cadre visuel que tu as fait ici. Ça, c'est bien vu, avec l'ombre portée de la pierre tombale. Vraiment sympathique. Flavien, oh Flavien, tu t'es lâché. Hein. Fou, regarde-moi ça. Un petit semblant de perspective, là, c'est bien ça. Super. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Des gros lâchages. Ça, c'est Cloud de Final Fantasy, hein, on dirait. Ah non, c'est Kingdom Hearts, je crois. C'est surtout cette partie-là, en fait, qui me fait penser à ça. Ah, c'est sympa, hein, même le design ici d'une espèce du mausolée, là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bien les petits détails, sympa, hein. Très sympa. C'est cette partie là qui est un petit peu vide. Cette partie là est un peu vide. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait mon faisceau un peu plus bas, tu vois, ici. Et si tu regardes bien, ce chemin là, il fait comme on dirait qu'il n'est pas en perspective. Si c'est un chemin, hein. Il n'est pas en perspective, tu vois, donc ça aurait tendance à suivre.
Pense toujours en fait aux formes rondes. Imagine une forme ronde dans cette perspective-là, donc ça fait une ellipse. Et cette ellipse-là, tu peux en faire plusieurs empilées. Je peux te montrer sur mon papier. Attends. Ça, c'est sympa parce que je sais qu'il y a pas mal de mes élèves qui font l'erreur, mais en fait, quand vous dessinez un chemin, par exemple, et que vous n'êtes pas sûr, imaginons que vous avez un plan en perspective à un point de fuite ou deux points de fuite, hein, peu importe. Ce qui est nécessaire de comprendre, ça c'est le point de fuite. Hein. Ce qui est nécessaire de comprendre, en fait, c'est qu'il faut qu'on fasse rentrer en fait, des cercles. Imaginons qu'on fait rentrer des cercles comme ceci, à l'intérieur. Donc ce sera des... Bon, il faut que ça, qu'on ait l'impression que ça épouse la forme. Et donc, à partir de là, je ne sais pas si tu as vu là, mais ça, on peut servir de ça, tu vois, pour les virages. Donc déjà, ça peut nous donner une idée, en fait, du chemin, ce qu'il va faire. Là, si on assemble le tout, regarde ce que ça donne. Ça donne vraiment l'impression que le chemin, il suit le plan. Donc, si tu arrives à t'imaginer le plan du sol, typiquement dans le jeu vidéo, c'est le plan qu'on va quadriller, tu vois, mais ça voilà, je parle de jeu vidéo parce que quand on suit les bases du dessin tous ensemble dans les formations, je parle de la grille théorique, en fait. Je parle du sol théorique. Le sol théorique, pour moi, c'est une grille composée au sol. Et ça nous permet de mesurer dans l'espace une unité égale une unité là, égale une unité là, etc. etc. Donc ça nous permet aussi de mesurer ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça comme ça. C'est-à-dire, là, typiquement dans ton cas, à toi, cette partie-là, ici, tu pouvais la prolonger un petit peu. Donc ça, c'est un bâtiment à deux points de fuite. Tu pouvais prolonger ça et faire comme s'il y avait un bloc à deux points de fuite qui va un peu plus loin. Et en fait, tu peux essayer de voir... les ellipses, comment les faire rentrer sur cette partie du sol, là, sur cette grille, finalement, que tu peux imaginer à la base de notre bâtiment, de notre mausolée. Et à partir de là, tu peux faire des... comme je viens de te montrer, tu places des petites ellipses, ou en tout cas même dans ta tête, hein, et là, tu peux faire des chemins un peu sinueux. Voilà. Si c'était ce que tu voulais faire, en tout cas, et ça peut t'aider. Donc, petit truc et astuce du jour. Toujours en rapport avec la perspective, hein, toujours en rapport avec les bases de dessin. Daniel, super Daniel. Hulk qui est... Tiens, mais c'est le Hulk. Ah, mais toi aussi, tu avais un Hulk, Daniel? Ou tu l'as trouvé sur Internet? Parce que moi, j'ai une figurine derrière, vous la voyez là? Elle est juste là. Ici. C'est marrant. Et très bien, la petite gondole. Tout se passe sur la pierre tombale. Les aliens qui sont là, qui se disent « Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui ?» C'est très bien, une belle petite composition, très sympathique et ambitieuse. Hein. Pas mal de petits personnages et tout. Ça n'a pas dû être facile. Hein. Pas dû être facile. Arthurina. Avec Excalibur. Mais c'est très bien ça. En plus, tu as eu le temps de mettre les valeurs et tout. Super. J'aime bien ce que tu m'as fait là. Ça fait une espèce de vignette. Ah, mais clairement, on reconnaît Kaamelott direct. Hein. C'est, je te le dis. Ouais, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment bien. Puis c'est simple. Tu vois, c'est simple. Ça se lit bien. Vraiment très cool. Vraiment bien vu. Faut que je me regarde les Kaamelott d'ailleurs. Ah, Aurélia, c'est vraiment pas grave. En fait, en général, les gens qui arrivent pour la première séance, bah, ils savent pas, donc bah, ils font un peu, ils font les objets, tu vois, à côté les uns les autres. Mais t'as pas besoin de faire une composition. Hein. Vraiment, l'essentiel étant de dessiner. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Donc, on va dire que c'est un peu le bonus. Si tu racontes une histoire en même temps de dessiner. Fap. Avenir, passé, Claude François. Dracula, j'aime bien ce que ça raconte. Piaf comme Edith Piaf, j'imagine. C'est très très bien. J'aime beaucoup, c'est bien vu. Comme quoi, hein, les bonnes idées, hein, il n'y a pas besoin de faire des dessins très compliqués. C'est très 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 bien. Je vais mettre ton petit Batman aussi. Et donc,
Là, il faut voir un peu Batman comme une espèce de graffiti ou comme une espèce de... on a l'impression qu'il est projeté sur le mur. J'aime bien cet effet, en fait, de prolongement, de longue portée du petit gars sur le mur, comme si c'était son avenir. Vraiment très sympa. Avec l'attaque des aliens. Les aliens, ils n'ont aucun rapport avec ça. Ils arrivent, ils font « Hey, j'ai envie d'emmerder le monde, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donc, il perce le ciel, il y a un trou noir, et il va engloutir le futur de notre ami Bruce Wayne. Très bien vu. Flo, là, c'est les gardiens de la galaxie. Ah, c'est très cool. Ah, j'aime bien cette compo, Flo. C'est vraiment bien vu. C'est vraiment des bonnes idées. Hein. Le petit design qui va bien, là. J'aime bien ta petite bestiole dans la fiole. Super cool. C'est sympa, hein, franchement. C'est vraiment une belle compo. Puis j'aime bien la façon dont t'es venu avec les valeurs, rapidement. Très sympathique. Vraiment cool. C'est la petite gondole derrière qui va se faire engloutir. Tout est dans le détail, hein, dans ce genre de... Et donc là, c'est le ciel. Je te dirais, le ciel, là, tu peux peut-être mettre une petite soucoupe, là, ou un petit vaisseau spatial derrière. Ou juste des fois, des petits nuages. Des fois, ça peut... Ou même des petits trous avec une gomme. Tu peux venir tamponner un petit peu le ciel, juste pour montrer des masses, peut-être blanches, tu vois. Ça peut être des masses blanches qui partent de l'horizon aussi. Ça peut être pas mal. Et en fait, juste en faisant ça, même pas besoin de dessiner, juste en faisant ça, tu viens ajouter de la variété, tu viens aussi ajouter des masses, en fait, et un équilibre. Tu vois, tu pourrais très bien équilibrer la partie gauche et la partie droite. Typiquement, la partie gauche avec cette masse blanche qui est la Lune, ou la Terre, je ne sais pas. Et à droite, tu peux faire comme un truc un peu plus volatile, venir tamponner avec la gomme mi-pain, par exemple, ou une gomme plus dure. Hein. Et ça suffirait, en fait, pour vraiment équilibrer la gauche et la droite. Parce qu'en haut à droite, je pense que c'est ça qui m'embête, moi, c'est qu'il manque quelque chose. Et ça peut être vraiment un truc simple. Mais vraiment très sympathique. Hein. Très, très sympa. Sectige. Avec Deadpool. Ah, t'étais pas le seul à faire Deadpool. Avec l'alien qui descend. La perspective qui est pas si mal. Hein. Pas si mal, la perspective. Tu avais quand même bien débrouillé. Bon, c'est la perspective du bas de notre croix qui est un petit peu bancale, mais sinon le reste c'est pas mal, pas mal du tout. Donc là, si tu veux faire par exemple les pierres tombales de la même hauteur, typiquement tu vas juste, t'as juste à venir prolonger ce segment, tu vois, ici, et là tu vois, tu pourrais les faire de la même taille. Donc prolonge ce segment ici, qui suit les deux autres lignes de fuite de ton gros mur. Comme ça tu es sûr que... Voilà. Donc t'as juste à faire, t'as même pas besoin de faire un trait, tu peux juste te l'imaginer comme ça. Mais très sympathique. Belle compo. Là, il y a une petite tangente. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès. Si ça, c'est en arrière, c'est mieux d'utiliser une autre ligne que celle-là. Ou alors, tu peux le faire passer un peu derrière le bras pour qu'on sente la profondeur. Voilà. Et aussi, attention à ton ellipse. Elle est un petit peu vue trop de dessus. Donc ça, c'est aussi un petit problème en perspective. Donc, tu pourras appliquer le conseil que j'ai donné à l'instant c'était Flo, je crois. Mélissa, il y a tort. À tort et à travers. qu'est-ce que vous racontez? C'est fou, hein, l'énergie qu'il y a dans certaines compos. Merci, Aline. Mais ouais, je suis vraiment content. Je suis toujours impressionné par vos compositions et vos idées, surtout. Super, en tout cas super, Mélissa, ta compo. Là, je pense qu'avec quelques valeurs, tu mettrais 2 heures de plus dans ton dessin, 2-3 heures de plus, et je pense que tu pourrais vraiment faire un super truc. Les gondoles qui viennent des nuages, ça, j'adore. Très bon concept. Ça fait un peu DreamWorks. Et ouais, vraiment sympathique le marteau là, en perspective. Donc tu vas faire attention à ton marteau. Le manche, il est pas tout à fait dans l'alignement du marteau. Donc, normalement, il devrait partir un peu plus par là.
Mais vraiment sympathique. Et l'alien qui se cache derrière la pierre tombale, vraiment très cool aussi. Faut que je surveille l'heure quand même. Sonia, j'aime bien l'effet que tu as fait avec ta gomme là. J'aime bien cet effet-là. Super bien fait. Très sympa aussi. Très sympa aussi le petit effet là. Là, il y a aussi des progrès dans les valeurs. Hein. Je vois que vous êtes de plus en plus à l'aise avec les valeurs et même des valeurs rapides comme ça. Vraiment très bien fait. Et E.T. derrière. Voilà. Simple, mais efficace. Natura. C'est super ça comme... super ça comme composition. Ah, c'est classe. J'aime bien la gondole, là. Elle vient vraiment encadrer l'image. C'est très, très cool. Hein. C'est une belle composition. Ça, c'est une composition qui fonctionne très bien. Hein. Très, très bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as décalé... Tu n'as pas mis le visage au milieu, tu l'as décalé un petit peu sur la gauche. Et ça aussi, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais en tout cas, c'est très bien. Ça se lit super bien. En fait, c'est vraiment une très belle composition en cercle. Tout est encerclé et on voit vraiment... Ça met l'emphase sur ce personnage-là. Mon conseil, ce serait de... peut-être de passer un peu plus de temps sur ce personnage, vu qu'il est un peu encadré, là. Mais sinon, vraiment très sympa. Très, très cool. Erwan, ça, c'est le fils de... Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Super, Erwan. Très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup ta gondole. J'aime beaucoup ce personnage-là. Il est trop bien. J'ai trop envie de le redessiner. Il est trop bien. On dirait un personnage de Minecraft. Il est vraiment cool. Et en plus, il a la perspective. Non, mais regardez-moi ça. Il a de la perspective sur le bras, là. Et sur la tête. Et même sur la pierre tombale. Super. Super, Erwan. Ça, c'est quoi, le pierre infinie? Pierre d'infini? Ah, c'est les pierres de... les pierres de... Comment on appelle ça? Mince, comment il s'appelle, le méchant dans Marvel, là? Ah, j'ai oublié. Zombie cochon. Trop bien, Erwan. Trop, trop bien. Merci de ton dessin. Evelyne, belle compo, Evelyne. Donc, la mort qui vient de la pierre tombale. Gérald. J'en connais une qui a regardé la saison 4 de... Ça y est, j'ai oublié le nom. Saison 3 ou saison 4? Saison 3, je crois. C'est clair, hein? Erwan, il s'est lâché, là. Attends, je vais faire un petit peu de... Voilà. Hop, j'ai bloqué l'utilisateur. Voilà, supprimer le commentaire. Hop. Et qui font un peu de spam sur le canal, ça arrive des fois. Le Witcher, merci Evelyne. Witcher! Qui est d'ailleurs l'acteur qui a fait Superman aussi. Je ne me rappelle plus de son nom. Sympathique. Et donc ça, c'est le bouclier trou noir. Ah, c'est bien vu. On dirait un bouclier. Et par contre, j'ai... Ah oui, c'est la fiole qu'il a dans sa main, ok. Ah oui, c'est la fiole, ah oui. Bien vu. Bien vu. Et E.T. qui se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de boire? Qu'est-ce que c'est que cette petite friandise? Avec mon frangin, quand on était petit, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, de O'Hara. C'était un espèce de maître de kung-fu qui était policier, enfin inspecteur. Et dans un épisode, il dit... dans un épisode, nous, on aimait bien, en fait, faire des voix par-dessus les voix. Et à un moment donné, il voit un paquet de drogue et nous, on lui a fait dire « Qu'est-ce que c'est que ces petites friandises ?» En fait, je pense que ça n'existe pas. C'est dans ma tête que ça existe, mais ah, c'était très marrant. Voilà. C'est pour la joke. Evelyne, merci beaucoup de ton dessin. C'est vraiment cool. Martine, tout se passe dans la fiole. Ça, c'est une très bonne idée, Martine. Tu vois ? Très, très bonne idée. Tout se passe dans la fiole. Superwoman... Avec l'alien qui regarde Superwoman, apparemment, il a l'air intéressé. Mais je pense qu'il va s'en prendre une assez rapidement. Et le petit trou noir, mais vraiment très sympa. Tu vois, ça c'est le genre d'idée que j'ai pas, moi.
Enfin, je pourrais l'avoir, mais en fait, c'est vrai que ça ne me vient pas. Et effectivement, ça pourrait très bien être ce genre de truc. Mais c'est vrai que potion, il est venu quand? Il est venu en deuxième position. Donc, ouais. Donc, tu as pris la décision de le faire autour du personnage de départ, tu vois. Et ça, j'ai même pas pensé. Hein. J'aurais pu très bien y penser. Mais très bien vu, Martine. Corinne. Jean Cunning qui a pris la même référence que moi. Ah, c'est bien vu la petite gondole sur le rail. Là. Qu'est-ce qu'elle raconte, Cyril? Je fais comme un modèle, je viens comme je suis. Donc, il y en a qui ont du mal à se connecter et à poster. C'est bizarre, il y a toujours 2-3 personnes qui ont du mal à se connecter et à poster. T'as même eu le temps de faire des couleurs, Corinne, hein, et d'ancrer ton dessin. Je veux dire, c'est super clean, quoi. On a l'impression que t'as mis 2 heures à le faire, mais en fait, c'est fou. Donc, juste une petite remarque. Je pense qu'il est un peu trop central, ton personnage. Mais sinon, il est super bien fait. Très, très cool. Super. Céline. Comment c'est en retard, Céline? C'est pas grave. T'as dessiné ce que tu pouvais. Alors, la réduc, elle est live. De toute façon, il y a le Black Friday qui arrive. Hein. Donc, si tu as envie d'acheter d'autres formations, ce sera avec grand plaisir. On t'accueillera avec grand plaisir. Donc, 2 formules. La formule essentielle, c'est la formule sans coaching. La formule complète, c'est la formule avec coaching. Donc, rappelez-vous de ça. C'est important parce qu'après, il y en a qui me disent « Ah, ben oui, je pensais avoir le coaching. » Non, c'est la formule complète avec le coaching. Et vous pouvez à tout moment passer de la formule essentielle à la formule complète à l'intérieur de la formation. Donc, sachez-le, sous les vidéos, vous trouverez un lien. Donc là, tu as écrit plein de choses. Hein. C'est genre « Love »,« Venise se souviendra »,« Venise forever ». Oh, c'est très cool. Pour le peu de temps que tu as dessiné, c'est très bien. Hein. Et ça raconte une histoire, donc c'est vraiment sympa. C'est l'avantage d'avoir les 6 mots d'un coup, tu vois. Tu peux dessiner une composition qui tient un peu debout. Et c'est vrai que nous, ben, on dessine les choses les unes après les autres, donc des fois, la composition est un peu bizarre. Davart. Ça, c'est Monsieur Manhattan, ça, Davart, non? Vraiment très cool la façon dont ça sort. Ah, ça me fait penser aussi au personnage du dernier Spider-Man, avec les petites taches dessus, tu sais. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais le super vilain de... Attention, ta barque, elle est pas tout à fait dans la perspective. Hein. Il y a un petit problème de perspective, je pense. Elle est un petit peu trop surélevée comme ça. Mais vraiment très sympa. Très, très sympa. C'est pas ta meilleure composition, mais elle est cool. Elle est quand même cool. Ce qui est bien, c'est que la partie gauche de l'image, là, est vraiment bien soignée. Faut que j'avance, les amis. Magali. Très bien, Magali. Très sympathique, j'aime bien la façon dont tu as entouré ton trou noir d'un mur. Ça, je trouve l'idée vraiment très sympa dans le design. Très bien vu. J'aime bien cette partie-là de l'image. Avec le petit Spider-Man. Petit Spider-Man, il a mangé un petit peu trop de... Je pense qu'il a peut-être mangé toutes ses barres de chocolat. Hein. Dans toutes les dimensions. Quand il finit sa barre de chocolat dans son armoire, il change de dimension et il va manger exactement la même barre de chocolat dans une autre dimension. Je dis ça parce que j'ai vu Spider-Verse il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment très sympathique. Avec le petit décor derrière là, qui va bien. Très cool. Cyril, qu'est-ce qu'il nous a fait Cyril aujourd'hui? Pas de hachure, hein, ça prend trop de temps. Hein. Mais c'est bien, les aplats noirs comme ça, en fait, on peut vraiment faire des compositions qui se lisent bien. Donc là, j'aime bien comment ça se lit. Il y a une petite rupture juste ici, regarde. Là je sais que tu as voulu arranger avec à la Sin City, là. Mais tu vois, il y a une petite rupture ici de lecture. Donc, ce n'est pas très grave, mais le regard est un peu... C'est comme s'il y avait 2 parties de l'image, en fait, tu vois. Donc, typiquement, dans la composition, ça, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour moi pour qu'on puisse aller regarder en haut, là-haut. Mais ça fonctionne quand même, mais c'est juste que il y aurait peut-être que dans les... Bah, c'est sûr que là
enfin, tu pouvais pas non plus, je peux pas te demander des miracles, mais tu vois, dans les, si tu devais refaire une vignette et t'inspirer de cette illustration, en fait, tu pourrais faire des, tu vois, ces espèces d'arcs que tu as fait dans la composition. Hein. Ça fait des arcs blancs comme ça. En fait, tu peux les empiler comme ça pour arriver jusqu'en haut. Et ça, ça permettra de passer d'un arc à l'autre, hop, 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 et de pas avoir de rupture. Et donc, tu peux faire des arcs blancs à l'intérieur des formes noires, comme ça, et les empiler dans la perspective aussi. Donc, tu peux diminuer aussi la taille à mesure que ça monte. Donc, tu diminues la taille, la dimension des arcs. Et je pense que ça marcherait. Mais il y a de l'idée. Et là aussi, il manque d'une petite valeur, je pense, là, ici, dans cette partie-là. C'est un petit peu trop blanc. Mais pas mal. Pas mal du tout. Podor. Super personnage, ça. Le bassin n'est pas assez haut, attention. Tu peux faire un bassin un peu plus haut, mais j'aime bien le rythme des jambes, là. Donc ça, c'est une erreur qui est classique. Hein. Quand vous faites un bassin, essayez d'imaginer... Je vais vous faire un petit bassin vite fait, là. Mais quand vous faites un bassin, imaginez la hauteur aussi. Donc typiquement, ça va donner quelque chose comme ça. Là, on a quelque chose comme ça, ici. En fait, il faut imaginer comme une culotte. Et ça, ça a une hauteur, la culotte. Donc après, on peut la faire dans n'importe quelle perspective, mais imaginez-vous que ça, c'est la hauteur du bassin. Voilà. Donc, une couche, une culotte, comme vous voulez. Mais ça peut aider. Voilà, ça peut aider. Donc ça, je l'enseigne dans la formation personnage 1 et personnage 2. En personnage 2, on va un peu plus loin dans le détail, dans la perspective aussi. Donc, plus de travail sur la perspective. Personnage 1, c'est vraiment pour les rythmes, pour les bases de l'anatomie, etc. Donc, très bonne formation, mais ne commencez pas par celle-là. Si vous commencez avec nous, vous allez avoir des problèmes. Mais très sympa, Podor, avec Venom derrière qui fait son show. Ouh ! Et le petit trou noir derrière. Il y en a un autre ici, d'ailleurs. Vraiment très cool. Fabienne. Une belle composition, Fabienne. Sympa, cette partie de l'image à gauche, là. J'aime beaucoup. L'alien, il a vraiment une bonne tête. Non, mais regarde votre tête de l'alien, quoi. Très, très bien. À mon sens, il y a une petite rupture, tu vois, dans cette partie-là. Tu vois, tu pouvais ouvrir un peu cette partie-là. Juste là. Ça aurait permis, finalement, aux formes négatives de faire un tout, d'être homogène et d'être lié. Mais sinon, c'est bien vu, le fait d'avoir fermé de ce côté-là, c'est bien vu. Donc là, par exemple, tu aurais très bien pu faire une deuxième pierre tombale juste derrière, là, tu vois, en superposition par rapport à la première. Et je pense que ça aurait encore mieux fonctionné. Donc juste là, ici. Derrière ou devant, hein. Mais je pense que devant, ça aurait mieux fonctionné. Devant ici, parce que ça aurait fait ça jusque-là. Mais sinon, les deux derniers, j'ai vraiment bien aimé. Le fait est que vous avez vraiment mis en avant le personnage. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je vous le dis en premier, le personnage en général. Comme ça, on est sûr d'avoir une composition. Voilà, donc évitez de le faire central. C'est pour ça que j'ai décalé le mien. J'ai décalé le mien pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. On regarde ça en premier. On arrive sur l'épée et après... Et là, c'est fermé. Cette partie-là, elle est fermée. Ça ferme un peu l'image. Et comme ça, on est obligé de regarder un peu en bas. Et on voit l'alien qui débouche la gondole. Voilà. Une situation très cocasse. Mais Armel, j'aime bien l'effet de relief que tu m'as fait là. Très bien fait. C'est vraiment ça que j'imaginais sur mon dessin, tu vois, mais mon dessin n'a pas du tout tourné comme ça. Mais très très bien. Bien vu. Là, tu as contourné un peu la perspective, hein, petite maligne. Tu as contourné la perspective. Et c'est vrai que, typiquement pour les gens qui font de l'illustration pour enfants, ou ce genre d'illustration, un peu simplifié pardon, en français, simple, tout court, c'est vrai qu'on a tendance à arrondir les formes et on en profite justement pour pas montrer des angles. Parce que les angles vont souvent montrer la perspective. Et donc, pour contourner ça, on vient arrondir les formes. Et voilà. Et c'est pour ça que la première fois dans les formations, quand je vous montre, d'ailleurs dans les vidéos YouTube aussi, quand je vous montre comment dessiner une tête, souvent on va venir dessiner un cercle, ensuite on va venir dessiner par-dessus
une première ellipse pour séparer en deux hémifaces. Et à partir de là, donc ça c'est par exemple l'avant du visage ici, et à partir de là, on peut faire une deuxième ellipse donc, qui gravite autour du centre ici, pour montrer soit la ligne des sourcils, soit la ligne des yeux, et à partir de là, on peut venir placer les yeux. Et on peut, avec la ligne centrale, placer le nez. Et donc ça, c'est le genre de visage, finalement, qu'on peut faire n'importe quand. Sans perspective, sans rien. Voilà. Donc c'est, en général, mes élèves, je les encourage à faire ce genre de petites têtes, parce que ça, à tout moment, dans la perspective, il suffit de refaire un deuxième dessin ici. Je vais changer un peu la perspective. Par exemple, il va regarder vers le haut. Donc, je vais dessiner deux ellipses qui tournent toujours autour du centre ici. Donc là, il va y avoir, par exemple, imaginons que là, il ait tourné la tête aussi par là-bas. Donc son nez, il va dépasser un petit peu. On va avoir la joue qui va passer devant. On va avoir la bouche qui va revenir un petit peu ici. Et l'oreille qui va se placer sur... Alors l'oreille, normalement, elle est vue un petit peu moins de face là. Mais l'oreille, elle va être vue... Ça va donner quelque chose comme... Quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et là, en fait, on a gardé exactement le même design et on a juste changé la perspective de notre image. Donc le nez est un peu plus gros normalement. Et moins remonté. Mais grosso modo, ça donne ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez utiliser ça. Là, on n'a pas utilisé deux perspectives avec des points de fuite. D'accord ? Et c'est tant mieux parce que ça nous simplifie vraiment la tâche. Donc, si vous voulez commencer des personnages, des petites têtes, inventez vos petites têtes comme ça. Vous pouvez avec ça. Donc, très sympathique. Donc, toi, pour le challenge, Armel, ce que tu peux faire, c'est faire une tête. Typiquement, tu peux faire ta tête, là, ton design. Tu peux le faire, donc, comme je viens d'expliquer. Tu pars d'un cercle. Tu te donnes une ellipse, ici. Deux demi-ellipses. Tu commences à placer ton nez. Tu places tes yeux, ici, comme ceci. La bouche. Donc je reprends ton design. Hein. Comme ça. Là. Quelque chose comme ça. Là. Voilà, donc là, pour le challenge, pour la prochaine fois, tu vois, tu pourras te faire un truc comme ça. Et avec les cheveux qui partent comme ça. Voilà, grosso modo. Et après, tu peux faire un menton qui dépasse un peu de la sphère. Mais tu vois le genre. Donc, comme ça, ça t'aide. Et c'est un petit moyen rapide pour t'aider. Pour ceux qui nous rejoignent depuis Facebook, n'hésitez pas à donner l'autorisation à StreamYard de voir votre nom. Sinon, je ne peux pas vous appeler par votre nom. Et je vous vois comme ça, typiquement, Facebook user. Donc, au-dessus, vous allez voir normalement au-dessus du live, vous allez voir ou dans la description... je crois que ça devrait être au-dessus. Normalement, donnez la permission à StreamYard de regarder votre nom si vous voulez que je vous appelle par votre nom. Voilà. Super Armel. Je continue. Allez, encore un petit quart d'heure là. Je vais essayer d'aller plus vite. Wild. Ah, super Wild. Ah, belle compo. Super belle compo. Ah, c'est vraiment classos. Donc là, vu qu'il y a beaucoup plus de détails, tu n'as pas eu le temps de mettre les ombres ou de mettre quelques petits aplats, et c'est normal. Tu as bien vu, moi aussi, je n'ai pas eu le temps. Donc, mais c'est très bien. Et j'aime bien le petit mausolée, là. J'aime beaucoup. Classos, j'aimerais bien le voir fini. Tu le posteras sur la communauté si tu le finis. Je vous encourage vraiment à finir vos dessins. Vraiment, poussez vos dessins au max. Erika, très sympa. Le bouclier est vraiment très cool. Belles petites ellipses, là on comprend bien ce qui se passe en perspective. Très bien. Ça raconte une histoire, c'est sympa. Voilà, même de la perspective en bas sur les pierres tombales. Il y a même une pierre tombale en forme de Batman. J'aime beaucoup le chaudron aussi. J'aime bien comment il est dessiné. J'aime bien le...
Ben ça, c'est E.T., ça. En forme de poire. Très sympa. Très sympa, Erika. Donc toi, le challenge pour la prochaine fois, c'est peut-être commence à essayer de montrer un peu la profondeur. C'est-à-dire typiquement la fiole, le chaudron, tu peux le faire un peu plus gros. Peut-être le personnage aussi, un petit peu plus gros, un petit peu plus en premier plan. Et après, tu peux essayer de varier la taille des éléments. Donc ça, souvent, quand on dessine les objets les uns après les autres, sans forcément faire une composition et sans penser en trois dimensions, c'est ce qui arrive. Tu vois, tu vas avoir souvent tendance à faire des objets comme ça. Donc voilà, juste à montrer un peu plus de superposition, à essayer de varier un petit peu la taille. Cindy, vraiment cool. Super beau personnage. Très sympathique. Un petit problème de perspective ici, mais c'est joli. En fait, on dirait de la perspective isométrique. Et encore, c'est de la perspective un peu divergente, tu vois. Donc ça et ça, ça devrait être au moins parallèle. Et là, c'est pas tout à fait parallèle. Donc fais attention à toi, à ça en tout cas. Sur cet aspect-là du dessin. Donc ces deux-là, en fait, je te conseille de les faire parallèles, au minimum parallèles à ceux-là, ou sinon divergents. Donc il aurait plutôt tendance à aller vers le bas comme ça, incliné vers le bas. Voilà, un peu plus en tout cas. Mais très sympathique. Donc là, la composition est simple. Si tu veux faire un truc mieux, je te dirais, vu que tu as commencé au trait à gauche, fini au trait à droite, et même ton trou noir, tu peux essayer de faire des traits. Comme j'ai fait sur mon dessin, tu vois, tu essaies de faire des traits. Et plus tard, après, quand tu veux mettre des valeurs, tu peux. Mais tu vois, le fait est que quand on commence, et ça, c'est typiquement en peinture que ça arrive. En peinture, quand on arrive, imaginons que je commence une forme. Je vais faire ça avec un feutre, mais imaginons que je commence une forme. Quand on dessine avec une pointe ronde, en fait, on va faire des formes qui ont souvent tendance à être arrondies. Et le vrai problème avec ça, c'est que quand on va venir détailler l'intérieur, eh ben, en fait, on va se rendre compte que la silhouette, elle est ronde, tout est rond, et il n'y a rien de vraiment design là-dedans. Et donc, en perspective, ça va poser problème, dans le design, ça va poser problème, etc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec le crayon, avec un crayon fin, tu viens designer, je sais pas, n'importe quelle forme. Hein. Tu designes une forme. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois que tu as fait les formes, après tu viens colorier. Et tu vas te rendre compte que, vu que tu l'as fait en deux étapes, dans les espaces positifs, dans les espaces négatifs, il va y avoir une harmonie qui est impossible à obtenir quand on débute, quand on n'a pas l'expérience et qu'on n'a pas conscience de ça. Ce sera impossible de venir en one shot, en un seul mouvement, de venir avec un design comme ça. Moi, si j'avais pas, même pour moi, qui est quand même de l'expérience, même si j'avais pas, si j'étais venu avec directement à faire un truc avec des formes pleines, j'aurais un problème. Tandis que là, avec les contours, je suis obligé de travailler à l'intérieur des contours. Et donc, tu vois, ça vaut beaucoup plus le coup que de commencer par ça. Parce que là, tu es déjà perdu, là c'est foutu. Là. Et là, c'est encore plus difficile. Pour imaginer ce qui se passe à l'intérieur d'une forme, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est une manière de penser, et il y a certains professionnels qui travaillent comme ça, avec des silhouettes, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Donc moi, je te conseille, quand tu veux faire un design, c'est de commencer par le contour et de remplir ensuite. C'est la meilleure façon de faire un bon design. Voilà. Enfin, la meilleure façon que je connais, en tout cas. Merci Armel, à la prochaine. Salut Sonia. En tout cas, très bien, Cindy. Continue comme ça. Zigzag. Zigzag. Alors ça, c'est... comment il s'appelle c'est le frère de Thor, ça, non? Je sais plus comment il s'appelle. Il y a une série, je crois, de ça qui passe en ce moment sur Netflix. La mort derrière. Très bien. Très vaporeux, le tout. Hein. Très vaporeux. J'aurais tendance à te dire, peut-être passe plus de temps à construire ton dessin et moins de temps sur les valeurs. Et je pense qu'on aurait... Je pense que c'est un petit peu trop complexe. Tu es parti sur un truc un peu trop complexe, à mon avis. Tu aurais pu simplifier le tout. Mais vraiment très sympa, la façon dont ça sort, là. J'aime bien. Attention à la hauteur de la main. Il y a une épaisseur à la main. Ça, c'est important de noter cette épaisseur. Tu vois ? Donc, fais attention à ça. Il faut que les métacarpes aient
la place pour tourner. Il y a une mécanique là-dedans. Tu peux pas faire une feuille de papier. Tu vois ce que je veux dire? Tac. Donc, je te disais ici, là. Ça, cette partie-là. Donc, pour une main, ça peut être gros. Hein. Tu vois, l'épaisseur de ma main, ça peut être assez gros. Ouais, mais c'est normal que le temps stresse, Cindy. Mais ça va venir avec le temps. Franchement, continue comme ça. Ensuite, Isabelle. Isabelle, c'est bien clean. C'est cool. C'est cute. Elle fait une drôle de tête, hein, Wonder Woman. Ça me fait penser à un jeu vidéo que j'ai acheté, que j'ai toujours pas joué d'ailleurs. C'est un jeu vidéo indépendant. Et ils ont un peu ce genre de tête. Très très bien fait. Très iconique. Sympa. Ouais, trou noir AAD. Ben voilà. Petite composition sympathique, mignonne. Ah ouais, Hélène, elle vient de se déchirer, quoi. Ok. Ok, Hélène. Ah, j'adore ta compo, Hélène. Très bien vu. Vraiment très cool. Ton personnage, là, il est vraiment bien fait. Un petit problème sur la cape, tu vois. La cape est un peu bizarre. Pour la cape, c'est très simple. Je vous montre un truc. Bon, je vais prendre un peu plus de temps que prévu, mais j'aime bien vous montrer des trucs. Alors, pour la cape, donc on commence par le col et on finit par voilà, un truc simple, hein, le fond. Voilà. Donc, on rejoint les deux morceaux. On rejoint les deux morceaux, comme ceci et comme ceci. Après, on efface. Et voilà, on a notre cape. On veut la complexifier. C'est pas difficile. Si on veut complexifier une cape, on va par exemple complexifier le bas. Donc typiquement, pour le bas, par exemple, je vais faire une première partie qui est comme ça, qui ondule, comme ça, et comme ça. Et là, donc là, je calcule le pli ici. Premier pli, deuxième pli. Oups, je pars un petit peu trop haut. Il faut que ça conduise quand même vers le col. Donc par ici. Voilà, et après on efface les parties qui sont de trop. Celle-ci par exemple. Et voilà. Et là on a une cape qui est pas mal. Après ça peut être une cape vue en contre-plongée. On peut faire exactement la même chose avec les mêmes formes du départ. Donc on fait ça ici, on fait ça ici, et maintenant on va inverser la vue. C'est-à-dire qu'on va partir de ça pour aller là, comme ceci, et on efface ce qu'il y a, donc cette partie, je vais y arriver, cette partie-là. Voilà. Ensuite, on complexifie le bas, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on voit aussi l'arrière, donc il faut complexifier l'arrière aussi. Donc là, on peut faire quelque chose comme ça. Ici, ici, ici. On fait partir la tension vers le haut, donc les plis regarde vers le haut, comme ceci. Et là, il ne faut pas oublier ces petits coins-là. Attention. Et voilà, là, on a une cape qui n'est pas trop mal. Voilà. En contre-plongée. Et après, on peut rajouter une épaisseur, etc. Mais grosso modo, dans voilà, une façon simple de faire une cape. Et tout autre objet, d'ailleurs, où il y a tout autre drapé, en fait. Le drapé, c'est juste une question de comment on le voit en perspective, comment on le voit en 3D. Donc des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Tu vois. Et toi, dans ton cas d'ailleurs, dans ton cas, toi, tu avais une tension qui faisait ça. Donc toi, si je reprends ta cape, ça faisait ça, ça ici. Donc là, il y avait une première partie, et là, il y avait une deuxième partie. Et en fait, tout ça, il y a un flow là, qui, il y a un flux là, de mouvement. Et toi, tu as fait des ombres qui partent un petit peu comme ça, là, tu vois, c'est un peu bizarre. La façon dont ça part. Et le fait est que si tu remplis ces ombres-là, ben en fait, on ne va pas bien comprendre ce que ça représente. Tu vois. Donc, voilà. Des fois, ça va juste être de mettre une ombre entre deux plis, par exemple. Ça suffira, en fait. Voilà. Bon, ça, on voit ça dans la formation personnage 2.
Formation personnage 2. Mais super sympa en tout cas. Vraiment très très bien vu. Christelle, il y a Thor qui va mettre un gros coup de marteau dans le sol. Je crois qu'il y a un journaliste alien qui est en train de le filmer. Et on voit le cimetière sur un tableau derrière. D'ailleurs, c'est pas l'idée de la dernière fois, ça, le tableau ? C'est un des mots de la dernière fois. Hein. Est-ce que c'était un des mots de la dernière fois ? C'était la dernière fois ? Oui, il me semble que oui. Hein. Ouais. Mais très sympa, avec le petit kiosque ici, avec les souvenirs. Très marrant. Marianne. Donc, le héros du jour, c'est le Robin des Bois de Disney. Avec le petit trou noir, avec... j'ai l'impression que c'est la mort alien. Non, c'est un alien. Les pierres tombales dans la perspective, super sympa. La gondole en silhouette, ben voilà, c'est très bien. Attention, l'avant de la gondole et l'arrière de la gondole ne vont pas ensemble en perspective. Donc là, il y a un petit problème de perspective. Donc là, normalement, sur ta gondole, l'avant de la gondole devrait être plus par ici. Donc fais attention à ça. Et ça, pourquoi ? Parce que ça, tu nous donnes l'indication du milieu de la gondole. Donc on s'imagine que la gondole, elle arrive plus par là. Donc fais attention à ça. Mais très sympa le mouvement aussi à l'intérieur de ton trou noir, là. Très bien. Et concernant ton petit personnage, tu peux lui écarter un peu plus les yeux et à avancer un peu cette partie du nez. Et tu peux faire passer l'œil derrière cette partie du nez. En fait, l'œil, tu ne le bouges pas. Tu vas juste mettre cette partie du nez devant ici. Et ça corrigera ton dessin. Mais très bien, Marianne. Bravo à toi. Jess, minimaliste, ligne claire. Très sympa. Claire et net. Cette partie de l'image, je pense que tu peux la faire passer un peu derrière la bouteille. Je pense que ça rendra mieux. Tu vas te faire passer 2-3 traits derrière la bouteille, pas qui s'arrête pile à la bouteille. Je pense que ça rendra mieux. Et aussi, tu peux faire un petit effet de perspective par l'effet d'échelle, c'est-à-dire grossir un peu les traits de tous les traits en avant-plan. Là, tu peux les faire un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus haut. Et avec... Dès que ça se rapproche de la barque, enfin de la gondole, tu peux diminuer un peu la dimension des traits. J'avance un peu les amis, hein, je suis désolé. Moria, très sympa ta composition. Ça me donne un peu le torticolis, mais très sympathique. J'aime bien cette partie de l'image. Et les gros biscottos. Et Pierre Tombal et le petit Yoda sur le... J'aime bien le petit Yoda sur la gondole, sur la tête. Très bien vu, Moria. Juste la composition un peu trop centrale. Donc ça, je le dis un peu dans toutes les séances, pour ceux qui n'ont pas forcément vu les premières séances. Donc évitez les choses un peu trop symétriques. Donc on a tous tendance à faire ça quand on débute. On fait les choses symétriques. Et c'est vrai qu'on est en stress, il y a le temps et tout. Donc on a tendance à faire des trucs symétriques de face. Donc c'est normal. Donc il faut essayer de contrecarrer ça. Si vous avez par exemple un personnage typiquement qui est symétrique comme ceci sur un axe vertical, horizontal dans ce cas-là parce qu'il est tourné, mais vertical, donc plutôt que de faire des bras symétriques comme ça, peut-être qu'on peut en baisser un, ou tout simplement peut-être qu'on peut le décaler dans l'image, ou tout simplement on va pouvoir désymétriser, bah, typiquement avec les pierres tombales ici. Donc ça, c'était un premier élément. Et à droite, par ici, on pourrait faire un deuxième élément qui permet de ramener un peu des masses à droite et à gauche, mais en asymétrisant le tout. Donc ça peut être une solution. Alors, pour la perspective, ce sera plus les formations, Aline, plus les formations... Parce que dans ce genre de live, moi, je veux juste que vous dessiniez. C'est vraiment le plus important pour moi. Donc, c'est mieux d'aller voir dans les formations, de se faire suivre par Summer, qui est l'instructeur qui va vous montrer
les bases. Moi, je vous montre dans les vidéos, mais Summer va vous accompagner dans les bases. Donc, je vous conseille vraiment de passer par là pour vous améliorer en perspective, parce que sérieusement, la plupart des gens, ils s'endorment quand on fait de la perspective. Mais par contre, quand on fait ce genre d'exercice, que je vous montre des petits trucs et astuces, je sais que ça va beaucoup mieux passer que si on parle de perspective pendant 2 heures. Je l'ai vu aux premières séances, il y avait beaucoup moins de motivation. Et donc, je vais éviter ça. Je veux que vous dessiniez un maximum. C'est déjà le plus important. Et Nadège, super ton dessin. Très, très sympa. Hein. Et là, tu utilises la perspective. Pour le coup, Nadège, elle a fini la formation des bases et elle s'en sert. Super. J'aime beaucoup le design de ta gondole. Hein. Il est vraiment très sympathique. Là, il y a un petit mort-vivant. Il y a un petit mort-vivant qui monte sur la gondole et qui essaie de ramer, j'imagine. Et donc ça, c'est ton alien. Non, ça, c'est la poubelle recyclable. C'est ton super-héros. C'est très, très cool. Ben voilà, très cool. Manque peut-être un petit truc derrière, là. Une petite masse derrière. Là, tu peux faire typiquement un espèce de brouillard, ce que tu as commencé à faire, j'ai l'impression. Et tu peux faire une petite forme circulaire derrière, comme s'il y avait un petit soleil qui se faisait, ou une petite lune derrière. Ça pourrait être pas mal, derrière les branches, là. Et, ouais. Et remplir un peu plus la partie haute avec un... avec du graphite, peut-être. Un dégradé de haut en bas, comme ça. Ça pourrait être pas mal. Je continue, les amis. Christelle, de Zelle, cette fois-ci. OC qui vient de... qui vient de piétiner l'alien. Il est vraiment plat, hein, pour le coup. Mais c'est très bien. Il s'est fait aplatir. Non, mais regarde ça. Et très très bien. Donc comme je disais tout à l'heure, Christelle, tu peux essayer d'abord dessiner le contour et tu verras qu'en faisant ça, ce sera beaucoup plus facile ensuite de remplir avec un peu plus de caractère. Et parce qu'en fait, tout le reste, tu l'as fait au contour et ça te réussit bien. Et en fait, cette partie-là de l'image, on sent qu'elle est plate et que comme si elle n'avait aucun rapport. Et donc ça fait un petit effet Frankenstein. Et donc je te conseillerais vraiment de faire comme je t'ai montré là. C'est-à-dire, tu fais d'abord les contours et tu remplis ensuite. Pour ceux qui s'en vont, lâchez-moi des likes et lâchez-moi des commentaires. Et quand je vous enverrai le lien vers la rediffusion, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous aide énormément. Merci à vous. Merci, merci, merci. Martine, on avait déjà vu ton dessin, hein, Martine ? Il me semblait qu'on avait déjà vu un de tes dessins. Bref, peu importe. Très sympathique. L'abbé Pierre, qui est décédé d'ailleurs, l'abbé Pierre. Donc là, c'est quoi qui se passe? Il est en train de préparer une potion. Les aliens qui sont en train d'attendre. Le V de la victoire, avec des bérets. C'est des aliens français. Ou basques. Le petit trou noir en dessous, derrière c'est une espèce de cimetière de meubles, cimetière d'objets, ah, très sympa. Donc ce que je te dirais, là ici, peut-être toi, ton challenge ce serait d'éviter de faire plein de petits traits. Alors je sais que ça peut être un style et tout, ici c'est comme si ça venait un peu gâcher la lecture, tu vois. Pas gâcher parce que ton illustration est très bien, mais je veux dire gâcher dans le sens la lisibilité de chaque élément. Des fois on aura envie tu vois, de zoomer un petit peu et en fait on est... comme un peu découragé parce qu'on voit plein de petits traits, donc ça floute un peu le tout. Mais j'aime beaucoup tes idées. Je sais pas où tu allais chercher tout ça, mais c'est vraiment très cool. Jean-Pierre qui est déjà parti, je crois. Jean-Pierre, si tu regardes la rediff, très sympathique. Toi, ton petit challenge, ce sera d'allier le tout et d'essayer de faire une composition un peu plus soudée pour les prochains. Là, tu m'as fait un Iron Man avec des raccourcis, c'est pas facile. Hein. Et effectivement, un vrai héros à la Béfière, effectivement. Tout à fait. Ah, je savais pas ça. Mais Béarnais, ah. Oloron Sainte-Marie, je connaissais pas du tout. Salut Loïc, ça roule.
Eh ben, tu vois, je ne savais pas du tout, Sonia. Je ne savais pas du tout. Ça, je le saurai pour la prochaine fois. Ok, on va faire un petit refresh rapide. Bon, l'heure est déjà dépassée. C'est pas grave. On va regarder les premiers. Je vais faire un peu moins de commentaires. Donc ça, c'est le dessin de Josiane. Très cool, Josiane, ton dessin. Batman avec Bayatou. Hein. Tous les objets sont là. Belle, c'est bien vu. J'aime bien comment tu m'as équilibré ça. La petite symétrie entre la soucoupe et le trou noir, je pense que j'aurais essayé de décaler un petit peu ou d'agrandir soit la soucoupe, soit le trou noir. Mais très sympathique. Bubulk, donc avec un spartiate qui se fait bouffer, enfin qui se fait cuire. Très très cool. C'est très marrant comment t'as géré ta compo. Très sympa, tout y est. Super. Un petit détail, le bras ici, tu peux essayer de rendre le rythme du bras. Alors, le rythme de l'avant-bras est bien, c'est le rythme du bras ici. Tu peux faire en sorte de opposer le triceps avec le biceps. Je te montre ça rapidement. Ouf. Regarde, triceps, biceps. Alors, tu as le V deltoïdien, donc ça, c'est le deltoïde. Tu as la clavicule qui passe devant, ça, c'est l'acromion. Tu as donc le biceps qui est là. Tu as l'avant-bras ici qui va être comme ça et comme ça, tu vois. Donc là, tu vas avoir le brachioradial. En général, le brachioradial, il est par là. Tu vas avoir donc le muscle brachial. Ça, c'est le triceps qu'il y a derrière qui forme une bosse et elle s'oppose au biceps ici, tu vois. Pareil ici devant, tu vas avoir une opposition. Donc ça permet de mieux lire l'image. Voilà, c'était une version rapide de ce que j'explique dans certaines parties de la formation personnage 1. Donc Maxime, très sympa Maxime, très belle composition. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. J'aime beaucoup cette partie de l'image. J'aime bien même la perspective, petite erreur de perspective juste là. Ça devrait arriver un petit peu plus par là, le coin. Mais sinon, très sympa. J'aime beaucoup ton illustration. Vraiment très sympa. J'aime même dans le design de certains petits trucs. Il y a beaucoup de choses à lire. C'est typiquement le genre de compo que même moi, j'aurais fait, je pense. Donc très cool. Scarlett, très sympathique. J'adore. Don't worry, Scarlett. I'm here. Très cool. En deux pages, en plus. C'est très, très intéressant. J'adore. Très bien vu. J'aime beaucoup ce que ça raconte. En plus, tu as eu le temps de faire des tonalités. C'est Manu. Alors, j'ai du mal à voir ta photo, mais c'est bien fait, c'est bien dessiné ça. Très très cool. Toi, t'es parti sur tout ce qui était liquide dans un. T'es parti sur un délire. Hein. Mais c'est très sympa. Et ça, c'est quoi? C'est comme un cavalier issu d'un échiquier, j'imagine. Bruno. Super Océ. Avec la main de l'alien, la fiole qui va tomber sur Océ. Il va se faire assommer, la gondole derrière, et j'imagine que ça, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est, ça, d'ailleurs? Est-ce que c'est la tête de l'alien? Mais c'est cool. Un petit truc bizarre dans ce qui se passe dans le bassin, là. Mais sympa. Là, je pense que la jambe gauche est trop derrière, trop en arrière. Mais très bien, très cool. J'avance les amis, hein. J'avance. Manu, est-ce qu'on l'a vu? Non, on ne l'a pas vu. Super Alien, son S vient de déchirer la marmite. Et voilà, il est la gondole, le cimetière, le trou noir, tout y est. Scarlett, on avait vu ça. Christelle, Corinne, très sympa Corinne. Il a tête de fiole. Je ne sais pas ceux qui connaissent Tête de Pyramide dans le jeu. J'oublie les noms de mes jeux, dis donc. Silent Hill. Lui, c'est tête de marmite. Très sympa. Ton ellipse, attention, tu peux la faire un peu plus en perspective. Donc, essaie de l'aplatir un petit peu. Là, il y a un petit syndrome Picasso du trou noir. Mais très sympathique.
Pas facile, hein, les raccourcis des mains et tout. Ouais. Ça, on verra ça en détail dans formation personnage. Carole Luciol. C'est clean, hein, ça. Super clean. Ouais, bouclier aussi, tu peux le faire dans la perspective, tu peux faire un peu plus elliptique. Très sympathique, en tout cas. C'est vrai que ça fait un peu iconique, ça fait penser un peu au style égyptien. Ouais, très sympa. J'avance. Sonia, on avait vu. Karine. On n'avait pas vu Karine. Karine, t'es partie comme moi, tu l'as fait un gros cœur en forme de trou noir. Très sympa le mausolée derrière, j'aime bien la petite barque, tout y est. Aurélia, très sympathique aussi Aurélia, donc tu m'as fait chaque petit, ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ouais. Chaque petit dessin, mais c'est bien, hein. Moi je suis content, hein. T'as fait tes petits trucs, c'est très bien, c'est un carnet de croquis normal quoi, très très bien, voilà. Si la prochaine fois tu suis encore un live avec nous, n'hésite pas à essayer de faire une petite composition. Mais tu t'es bien débrouillé. Aussi, toi, tes petits challenges, ça va être plus la perspective. Ouais. Tu vois, les gondoles à perspective, c'est pas facile, donc il faut s'imaginer un bloc, et à l'intérieur, il faut s'imaginer le profil, le face, et voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on apprendra les bases de dessin, si tu as envie de t'y mettre avec nous, ce sera avec grand plaisir, on t'accompagnera avec grand, grand plaisir, mon équipe est là pour ça. Aude, c'est très bien, j'aime bien ce que tu m'as fait ici, ça c'est Washington. Hein. Tac, 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 et tout y est, le chevalier servant, le petit alien, j'aime beaucoup le chat qui rentre dans la marmite avec la gondole à l'intérieur. Ouais. Très bien. Claude, les indestructibles, le petit alien, j'aime bien le petit effet de profondeur que tu m'as fait ici, super bien, super sympa. La petite fiole, tout y est, félicitations à toi. Avec plaisir Aurélia, à la prochaine, hein. N'hésite pas à revenir. Donc, Jérémy, très sympathique, tac tac tac, bel effet de perspective à la One Piece, très sympa ça Jérémy, c'est bien challengé là. Donc toi, fais attention, là, comme il y a un effet de perspective à deux points de fuite, quand on fait du deux points de fuite, ça a l'air plus gros que ça. En plus, on sait que cette partie-là, c'est le petit doigt, donc il va avoir l'air plus petit, forcément. Donc, tu peux faire un effet de... Il faut que ça diminue un peu dans l'espace, tu vois. Donc, cette partie-là, finalement, tu peux la faire plus petite. Donc, à peu près ici, tu vois. Là. Bonne soirée à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à vous. Si vous avez le lien vers la rediff, des likes, des commentaires, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir et aussi, ça nous aide. Parce que YouTube nous déteste. Et je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez rien fait, YouTube. Non, c'est l'algorithme qui... Ah, c'est comme ça. Donc, nous, on fait l'aumône des likes et des commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais... Valérie, une belle composition, bien symétrique, avec des ailes, ce qui sauve un peu la composition. Vu que les connotations religieuses, il y a beaucoup d'illustrations avec des connotations religieuses qui ont une symétrie dans la composition. Donc ça te sauve le fait que tu aies fait des... mais ça, ce ne serait pas le dessin de la dernière fois, par exemple. Il me semble que si. Béatrice qui nous a fait Achille Talon, et qui vient... Eh, Béatrice, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Béatrice, tu as fait un level up depuis la dernière fois que je t'ai vu dessiner, toi. Super bien fait, t'as fait une belle perspective, t'as fait une belle scène. Je suis super content, sérieux. T'as fait des gros progrès. Hein. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu dessiner un truc aussi complet. Hein. Vraiment très sympa. Très cool. Très, très, très cool. Très content. Nature, on avait vu. Claudie, on avait vu. Tiens, mais regarde, Claudie aussi, elle a fait notre ami Arthur. Très sympa, j'aime beaucoup ce que tu m'as fait. Petit syndrome Picasso, attention, il y a un 3 quarts. Si on voit l'oreille de ce côté-là et si on voit la pommette de ce côté-là, en 3 quarts, ça veut dire que cette partie-là devrait être plus petite. Donc fais attention, l'œil droit devrait être plus petit par rapport à l'œil gauche, légèrement.
Voilà. Sinon, c'est sympa. C'est clean. Et c'est cool. Jordan. Jordan, il a fait une belle... Est-ce qu'on avait vu celui-là, Jordan? Non, hein, je ne l'ai pas vu encore, entendez ça. Très sympathique. Le petit alien qui sort de l'eau, qui va probablement venir embêter le chevalier. Et vraiment très sympathique. Alors, fais attention là, Jordan, ça, tu vois, le fait, ça là, ça devrait être un peu en retrait. Donc, je te montre vite fait. Pouf. Regarde. Hop. Donc, t'as ton arche. Alors, il est en perspective. Je vais faire ça sur un... Je te le mets là. Je te le mets là. Donc, je vais l'effacer. Je vais le refaire. Donc, t'as ton bloc en perspective. Donc, vertical, vertical. T'as ton bloc en perspective. Boum, boum. Donc, t'as ton arche. Voilà. Donc, t'as ton arche ici. Ça fait ça. OK. Et donc, en fait, ça, ça va être plutôt comme ça. Tu vois. Donc, tu décales la forme que tu avais fait en double et tu la décales sur le côté. Là. Et voilà. Et tu as ta perspective. Mais très cool. Nike, on avait vu et après, on avait vu. Je vais faire un tour sur Instagram, les amis. Après, je vous laisse. Aude. Est-ce que c'était celui-là dernière fois? Ça, c'est celui-là dernière fois, je crois. Ok, bon. Ok, Aude. Oups, j'ai fait une erreur. Ça y est. Je me suis planté. Attends, je vais faire un petit refresh là parce que j'ai l'impression que j'ai loupé les. Ah, Yacine, Yacine, t'arrives un peu après la guerre, oui. Donc c'est celui-là. Mais Yacine, je vais prendre. C'est bon là, ça fait 3 heures qu'on est là. Je pense que ça va aller. C'est bien parce que je t'aime bien, mais. Donc, j'ai rien reçu sur Instagram, apparemment. All right. Autre qui m'a envoyé... OK. Non, j'ai rien dit. All right. Quelqu'un avait posté sur Instagram? Non. Hein. Je vais devoir vous laisser, les amis. Je vous dis à plus tard. C'était vraiment cool de vous avoir. J'espère que vous avez appris des choses, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, pour apprendre des choses, pour être motivé, ça c'est une deuxième chose, et le mieux c'est de... Merci Karine. Ben, c'était très cool, c'était très cool. Il y en a qui m'ont posté sur Instagram, mais de toute façon, Sonia, j'avais déjà vu le tien sur... Ouais. Est-ce que je fais un petit refresh? Mais comment ça se fait, Sonia, que tu n'arrives pas à poster sur le site? C'est ça que je ne comprends pas. Merci Céline, merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Vos dessins étaient géniaux. Ouais, c'est possible. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Tu veux que je regarde? Allez, je regarde vite fait. Il y a peut-être Yacine qui a... Allez. Allez. Bon, c'est bien parce que je vous aime. Hein. Ok. Faire un petit refresh rapide. Ah, Yacine. Je l'ai vu le tien. J'ai vu le tien. Tu as mis sous quel nom, Sonia? Jasmine? Donc ça, c'est le dessin de Yacine. Yacine qui arrive à la bourre. Super sympa. la petite gondole. Spider-Verse en mode en bon point. Bah ouais, c'est très cool ce petit dessin. Voilà, petite compo rapide. Très sympa. Valérie aussi, qu'on n'avait pas vu apparemment. Très bien, Valérie. Très sympa. J'aime beaucoup le fond là-bas. Très bien fait.
Voilà, personnage en premier plan. Ça marche bien, hein. Ça fonctionne bien. Josiane, on avait vu le tien, il me semble. Ouais. Merci Jordan, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais je pense que ta connexion, en fait, ne doit pas être très bonne, Sonia, à mon avis. Écoute, ce sera pour une prochaine fois. Mets-le sur la communauté. Ceux qui ont posté en retard, communauté. Moi, 3 heures de live, là, je commence à fatiguer. Merci à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous. Si vous recevez, donc, encore une fois et une dernière fois pour le lien vers la rediffusion, allez sur la rediffusion, même si vous avez déjà vu le live, c'est pas grave. Mettez un commentaire, mettez un like. Voilà, les commentaires sont plus importants que les likes, mais les likes fonctionnent aussi. Merci à vous, encore une fois, du fond du cœur, d'avoir participé, pour tous ceux qui ont participé, et d'être fidèle au blog, d'être fidèle à l'équipe Apprendre à dessiner, ça fait vraiment plaisir. On essaie de vous gâter un maximum. Donc, le Black Friday arrive bientôt. Moi, personnellement, les fêtes commerciales, sérieusement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, vous laissez la possibilité de suivre les formations à plus bas prix. Ça m'intéresse, par contre. Donc, j'en profite, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Hein. Ça ne s'appelait pas Black Friday, ce serait Blue Jeudi, j'en sais rien. En fait, je m'en fous. Black Friday, ça va durer 3 jours. Et probablement que ça va durer jusqu'au Cyber Monday, donc le lundi d'après. Ça va durer sur 4 jours, quoi, en gros. Donc, ce sera moins 25% sur toutes les formations et sur tous les packs aussi. Donc, même le pack intégral. Par contre, il n'y aura pas, si vous passez par le CPF, il n'y aura pas forcément, parce que le CPF, c'est spécial. Mais voilà, si vous voulez profiter, donc à la fin du mois, vous vous ferez plaisir. Et voilà. Finissez votre dessin aussi, hein. Postez-le sur la communauté. C'est intéressant. Comme ça, ça vous permet d'être un peu plus à l'aise, d'échanger un petit peu plus. Comme le mot indique, une communauté, c'est une communauté. Donc, on échange entre nous. C'est important d'avoir des mots à la fois sympathiques. Et parfois, si on pense pouvoir aider la personne, n'hésitez pas à le dire, mais de manière avec du tact. Voilà, je sais que c'est toujours bien de commencer par quelque chose de positif, de revenir sur une critique constructive et de revenir sur quelque chose de positif. Moi, c'est ce que j'essaie de faire de manière générale. J'essaie toujours de voir dans une image, quand je critique une image, d'essayer de voir d'abord du positif, qu'est-ce qui a bien été fait, ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et après, de revenir globalement sur, voilà ce que moi, ça me fait, cette image. Et donc, je pense que c'est le meilleur moyen de pas faire mal à une personne, parce que je sais que quand on arrive sur Internet pour la première fois, moi ça fait 10 ans que je travaille sur Internet, mais pour ceux qui s'exposent aujourd'hui, tous les débutants qui nous regardent, des fois c'est difficile de dire ouais, mais ah oui, j'ai l'impression qu'on me critique moi et pas mon dessin. Un dessin, c'est un dessin, c'est un de nos produits, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Donc ne prenez pas les choses personnelles quand quelqu'un vous fait une critique. Si c'est une critique constructive, vous pouvez la noter. Enfin, ça va pas changer votre vie. C'est juste que ça peut vous indiquer des choses à travailler. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait le voir. C'est pour notre évolution, c'est bien tout simplement d'écouter ce que les autres ont à dire sur ce qu'on produit. Et ça permet vraiment d'accélérer la progression aussi. Parce que plus on est détendu avec autrui, et plus on se lâche. Et en tant qu'artiste, c'est vraiment très important, même si on débute. C'est très important de se dire, j'ai fait ce que j'avais fait. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des défauts. Même moi, dans mon dessin aujourd'hui, il y a plein de défauts. Enfin, je veux dire, voilà. Après, c'est plus difficile peut-être en tant qu'amateur ou en tant que débutant de voir les défauts, mais il y a des défauts. Si je prends quelqu'un de meilleur que moi, comme mon ami Jean-Baptiste Monge, par exemple, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu fous? Donc, voilà. Chacun son niveau, on est là pour se faire plaisir avant tout, le plaisir en premier, et après le reste en second. Voilà. Gros bisous à tous, merci encore, moi je vais aller manger, et je vous souhaite une très bonne soirée, et pour ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit aussi. Gros bisous, et à bientôt, à vendredi prochain.